Oula. Oh, lui, il a pris une pression directe le temps. Oh, putain. Il a pris un midlife à l'open, lui. Attends, mais c'est pas du tout un boss. Je dis j'ai la chef, mais en fait. Non, c'est un mini boss. C'est une merde. C'est une petite merde. C'est un boss. C'est le même combat. C'est une petite merde. Il y a encore un os là-dessus. C'est pas un coffre. Ah, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Eh, c'est la première fois que j'entends la musique, j'ai rien de tout avant ici. Ah bon? Ah, pour ça quand t'as dit ouais, la musique, voilà, elle s'excite, je suis en mode ouais, haha, de ouf, je sais pas de quoi tu parles. Ouais. Ah, c'est vraiment la première fois que je l'ai. Je sais pas si ça s'est bien vu quand je suis tombé dans le vide et que je me suis rattrapé au dernier moment. Ah mec, c'est... moi j'étais aux premières loges perso. Je peux voir le clip de ton point de vue. Parce que vraiment c'était incroyable. C'était un movie sport quoi. Ouais. All planned comme on dit. Ok, il nous fonce dessus là, je crois qu'on n'a pas le choix d'accepter le fight. Sanctuaire. Non non, il faut pas. Pardon. Oula oula oula. Oula ouais. Calmez-vous. Et c'est vrai que... il est assez kiffant, moi je trouve le donjon quand même, c'est sympa hein. Les fights sont pas mal. Qu'est-ce qu'il fout par terre? J'ai aggro quelqu'un parce qu'il me faisait peur. Faites gaffe sur le boss, juste il y a beaucoup d'AD. Je pense qu'il faut focus prio les AD pour les tuer quand même parce que sinon c'est l'enfer. Ah ouais. Tout à l'heure il y en avait beaucoup trop, c'était immonde. Ah, j'ai l'impression qu'il y a 3 AD qui repop à chaque fois qu'on les tue, non c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. En plus, je trouve que c'est beaucoup plus satisfaisant maintenant qu'on n'est pas embêté par des niveaux 75 là. Ouais, ouais. Ah, c'est la pété avec leur savoir là. En fait. Ouais, c'est ça. Mec, ouais, non, là, je suis le nage, non, non. Ok, just go on the top, just to have the Igra, but she didn't have to. Yeah. Okay. Là, juste ici, là, y a un coffre au fond, là, si vous voulez. Oh, de ouf. Merci. Du coup, on disait se la péter avec son savoir. Oh oh oh! Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Laissez-moi me soigner sur un bout. Oh merde, le tank. Pourquoi je. On a pas il est mort. Le tank est juste mort. Est-ce que je peux juste le réanimer? Oh non, bah. C'est boot le tank. C'est moi, c'est un autre healer. Mais aise. Ah, c'est un autre healer. Ah oui, pardon. Ah, mais c'est un healer? Oui, c'est un healer. Mais attends, mais il a pas lâché un soin depuis le début? Non mais c'est un healer DPS, un peu des deux comme moi. Y'a un healer avec nous là depuis le début. Mais c'est comme moi, il est à moitié healer, moitié DPS, c'est pas trop ce qu'il fait dans sa vie. Ce mec a soigné déjà depuis le début là. Je suis mort. Je crois qu'il se heal lui-même. Non. Je vous jure que je suis mort. Non, t'es pas mort. Si, il est mort, si. Non, non, il est pas mort. Bah là... Quelqu'un le reste, vas-y. Oh oui, mon ami Raclure. Je suis en bloc là. Dans mon cœur, t'es pas mort. Merci Raclure. Ok, j'arrive. Sortez ta zone. Elle est mortelle. J'arrive pas à target. J'essaie de garder l'aggro, mais... Non, mais en vrai, Boot, t'as rien à te reprocher, t'es juste parfait, mec. Genre, y'a vraiment rien, là, c'est plus... Franchement, c'est plus le deuxième heal qui... Là, pardon, je vais l'enfoncer, mais qui pue littéralement la merde. Mais après... Sorry. Non mais pas toi. Je traîne. Non mais c'est quand même violent. Bah mec, je viens de capter qu'il y avait un deuxième healer. J'ai jamais vu les barres remonter autrement que par mes soins. Genre. Je vais pas l'enfoncer, mais bon si c'est. Excuse-moi, mais il y a un moment. Enfin, je tiens. Voilà quoi. Enfin bref, on fait des sports, mais on en fait pas quoi. S'il pouvait ne jamais avoir été en vie, ça aurait été cool quoi. Mais non, j'ai pas dit ça non plus. Tu pouvais juste supprimer le jeu quoi. Vous pouvez me laisser focus juste sur mon recyclage, s'il vous plaît. C'est injouable. J'ai un gant 339, si tu as envie. Ah, mais c'est du léger. C'est lié qu'on ramassait. Hein? Non, mais gant de glace. Ah, gant de glace, pardon. C'est pas lié qu'on ramassait, là? C'est lié qu'on ramassait. Non. Ah. Mensonge, trahison, disgrâce. Ah, disgrâce, ok. Disgrâce, carrément. Niveau combien, ton gant? Niveau 327. Eh bien, écoute, j'ai du 339. On ne peut pas échanger dans un donjon, mec. Allez, allez, merci. Tiens, regarde, Schnumene, il a perdu. Regarde la vie de Schnumene. Il est soigneur. Hein. Attends. Regardez Schnumene. Mais regardez bien, il est soigneur. Schnumene est soigneur.
Je lui envoie un soin. Attends. Bah non, il est mort, bah voilà, je serai meneur. Ah non, il est trop occupé à puer la merde en fait. Il est soigneur, hein. Vous l'avez vu, hein, quand je vous ai dit que depuis le début, il a rien fait. Ah, en plus, il a respawn. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh non, mais... pourquoi il a respawn? Oh non, non, non. Oh non. Oh non. Bon, bah, je vais être obligé d'escalader ça pour respawn. Shrenem. Voilà. Putain, mais il choque. Bah ouais. Bah ouais. Bon, non, alors. On a pris notre Team eSport, on a des sponsors, merde. Du quoi, life staff à chat en fait. Oui. Le coffre du boss d'avant. Attendez, j'ai pas récupéré le coffre du boss d'avant moi. Ah mince, je suis parti. Le coffre. Ah ouais. Je sais pas si je l'ai pris aussi. Tu sais que moi je rate des coffres, genre vraiment je me rends compte que ils sont pas assez visibles pour moi. Non, enfin, je l'ai pas pris aussi. Pareil. Celui-là là. Et il me manque un os apparemment. Ah c'est sur le dernier. Ah non ouais, exact. T'es à 4 sur 5 là sur les œufs? 5 sur 5. Moi je suis à 5 sur 5 aussi. Ah c'est ça ouais. Attends. La quête du chien là. C'est quoi? C'est site de fouille Amrine, c'est ça? Des nonos soirées. Des nonos soirées. Des nonos. Si tu l'as reprise quand tu l'as rendu. Ouais, je l'ai repris 100%. Des nonos épinglés. J'en ai 4 sur 5. Ah, 4 sur 5. Ah, là, là. Ah, il faut que tu fasses un petit. Faut aller voir où est-ce que t'as. Ok. Où est-ce que tu l'as perdu? Mais... t'as pas dit pour nous. Partez sans moi, je veux pas vous retarder. Il y avait ici, il y avait le boss d'avant. Des nonos pour. Ah, moi c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est parce que t'as tout ramassé, mec. Ça disparaît au bout de 3 minutes, apparemment. Ah. Ah. Ah ouais, c'est... Ah. Ouais. Ah. Mais la dingue. Bon. Eh ben... Ah, le boss en donne un. Apparemment, le dernier boss en donne un. Bon, on va faire ça alors, merci. Je suis une catastrophe, putain. Mais en fait, ce jeu, je le trouve insane, mais je trouve que l'interface au global est à chier. Genre vraiment, je trouve que c'est pas clair, c'est pas... Après, peut-être moi, je suis nul, hein, mais... Ah, quand ça loot, il faut bien regarder, quoi. Ouais, c'est ça. Avec tous les spells et tout qu'il y a, des fois, tu vois pas et tu as des trucs, hein. Le dernier boss, on donne pas, ils disent, maintenant. Ah ouais ? Moi, je crois qu'il en donne pas, le dernier boss. Je suis pas sûr, hein, en vrai. Ah non... De toute façon, si tu as fini à 4 mois, c'est peut-être... En vrai, à la fin, t'as rien à perdre à revenir dans le donjon. Oui, c'est ça, j'y retourne à la fin, ouais. Pour regarder... Les petits actes sur le côté sans trop avancer, là. Ouais. Oh, t'es trop fort, bien joué, ça. Merci. Mec, c'est genre... Tu viens de nous apporter tellement de positivité dans ce fight. C'est vrai que ça commence à être relou de faire des top world, donc... un petit message sympa de temps en temps. Zortos, il dit, bah les frérots, j'ai fait le donjon, il m'en a donné un. Écoutez, on verra, tranquille. Eh bah écoutez. On peut y aller. Ok, on peut y aller. Ok, on peut y aller. Ok, on peut y aller, ok. On peut, Simon, arrête de parler. On se bat ici, ok, go. Ok, les ZAD. Je les bloque, les ZAD, ils peuvent pas m'atteindre. Hop, on clear les ZAD avec Lexa, incroyable. Ouais, ok, je me mets au milieu, hop. Je récupère mon mana. Je récupère mon mana. Ça target le pylône, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Ok, je me casse, je reprends mon bâton de vie. Je mets une zone de heal autour du boss. Ok, raclure. Je te remonte. T'es remonté, mec. T'es mort. Non, mais je suis mort. Ok, j'arrive. J'arrive. J'ai mis une zone de heal, j'y suis. Si, ok. Ok, bon. Je te remonte, Boots. Je te remonte. T'es bien. Je vais prendre tout, sous l'agro là. Coup de tempête sur moi, c'est possible? Je m'occupe des ZAD. Attends, mais il faut vraiment que je soigne l'autre soigneur. C'est un enfer. Et je remets le rouge, il fait rien là. C'est pas un soigneur. Hein. Ça va, on est bien, tranquille.
Est-ce que vous pouvez claquer des CD défensifs? Je vais passer ici en full glaçon. Ok, je heal à ta place. Boot, je te soigne, t'inquiète, ça arrive. Petite zone de soin, j'ai mis une zone de soin sur moi, je me suis merdé. Ok, bien joué, je mets une zone sur... Tranquille, on est très très bien là. Je m'occupe des ZAD, hein, toujours. Je te remonte, Boots. T'es bien. Bien. Ok, j'ai pris l'aggro, secours. J'ai pris l'aggro aussi derrière, l'aggro derrière. J'ai l'aggro du compost. Butch, je te remonte aussi, tu seras full normalement. Hop là, t'es pas du tout full parce que mon hit pue la merde, mais t'es bien, mec. Butch, je te sup heal. Putain, j'arrive. Vas-y. Target Butch, hein, c'est un enfer, je sais pas ce qui se passe. Je me glaçonne, je récupère ma mana. Ok, les ads encore. Mana. J'ai pris full aggro là. Ok, on devrait peut-être se focus sur le boss, il est à 20%. Ouais, go boss. Ah ouais, go là. Full boss, je pense aussi. Hein. Bien joué. Et j'ai GG. Faire sur l'une fois plus. Sur les 40, hein. C'est une victoire pour l'expédition, messieurs dames. Bravo. Formidable. Laisse un peu en fait. Ok, c'est une formalité. Oui. Intelligence. Allez, peut-être prendre ça, moi, tiens. Il t'a donné un os du coup ou pas? Ah merde, j'ai pas check. Attends. Belle victoire à 4. Non, j'ai pas d'os. J'ai pas d'os. Je pense qu'il y a moyen qu'il soit encore au sol. Hein, comme on va aller voir. Ouais, c'est un objet de quête, ce que je me dis. T'as des points de compétence encore, je pense. Ouais, tu me connais, tu me connais. Ouais. Ok. Tu mets dans l'intelligence maintenant? Bah, je me dis que je vais passer un peu à l'intel, je sais pas, mec. T'as pas looté un meilleur gantelet? Si, j'ai looté tellement de trucs, mais je sais pas vous, mais c'est abusé le loot qu'on récupère. Ouais, c'est abusé de toutes les armes et tout qu'on a. Oh, c'est vraiment. On a le choix, quoi. Y a pas de problème. Mais non, j'ai pas récupéré un meilleur gantelet, non. Non, j'ai en fait les mêmes. En fait, c'est exactement le même. Ok. Ça, c'est quoi? C'est forme et concentration. Là, j'ai 15 pour 15 intelligence et vol de vie, mais non. Ah, vol de vie? Oh, ça peut être pas mal en vrai, vol de vie. Mouais. Sinon, ça, c'est quoi? Forme et intelligence. Là, j'ai forme et concentration. Moi, suggère, c'est un 339 avec full intel. Ouais, pas mal. Non, je vais prendre celui-là. Je change, hop. Je change, je recycle. Hop. Et là, pareil au niveau des habits. Pareil, ça recycle. Ça a l'air pas mal, non? Ok. Non, mais c'était lourd, c'est ça? Ouais, en fait, les trucs trop lourds, je les prends pas parce que sinon j'ai plus ma roulade, c'est un enfer. Voilà. C'est chiant de décraft quelque chose qui a que du verre. Forme, concentration, intelligence, non, je suis bien là. Bon, tu as détruit le gantelet 347 que tu avais loot parce qu'il était level 27 et tu as cru l'avoir équipé. C'est vrai? Bah yes. Bah c'est win. Bah c'est win, c'est bien joué de ma part en vrai. Je suis chaud. En vrai, je suis chaud. Léger, ouais. Force, intelligence. Ah, les bottes, elles étaient pas trop mal. Donner fou. Ouais, en vrai. Force, intelligence. Ça ouais, non, je vais faire ça. Mais ça aussi, ça te donnait que des stats en plus. Ouais, mais non, parce que ça m'enlevait le... Regarde, ce que j'ai là, c'est... pourquoi j'ai pas pris? Parce que j'ai plus 1,6% de chance d'obtenir des objets rares dans les coffres et sur les monstres. Non, je préfère garder ça, tu vois, tant qu'à faire. Ouais. Vu que de toute façon, notre stuff, on le change H24. Hein. En vrai... Là, c'est pareil, j'ai de la protection et tout. Je préfère garder, ouais. Voilà. Complètement. Bon bah, il y a pas un deuxième donjon qu'on peut se faire, j'imagine. Non mais là on va chercher l'os. Ah oui, l'os. Non mais il sera jamais là. Il sera jamais là. Hein. C'est impossible. Bah j'espère. Fouille. Ah, j'ai oublié là. Attendez. Ah non, ça c'est pour la quête. En face là. En fait, ce qui serait pas mal, c'est que les monstres ripop. Auquel cas, on récupère l'os facile. Non, ils ripopront pas. Ah ouais? Non.
Ah, dans une instance, si on a clean l'instance, ouais, c'est... Ça m'étonne aussi dans une instance, j'avoue qu'en général, il pop pas beaucoup, quoi. On va voir, on va voir. Mm. Mais là, on n'a pas sauté pour aller là ? Ah non, on est passé par là. Mais par contre, j'ai pas envie de vous faire de vous faire perdre du temps, hein, Lexa et Boot, selon ce que vous faites. Non, non, t'inquiète. Moi, je vais arrêter là. Je vais rendre la quête. La quête du chien, elle donne vraiment, vraiment beaucoup d'XP, quoi. Ben ouais, c'est pour ça que je il me faudrait le nonos. Ouais, Boot, tu vas bouger ? Yes. Okay, ben merci d'être venu tanker tout ça. Merci de l'invitation. C'est très cool. C'est un plaisir. Plaisir ah oui, partagé. Focus, oui, au plaisir, c'était super cool. Vous voulez refaire l'instance après ou pas du coup ? Moi, voilà, je sais pas. Hein. Parce que toi, t'as la clé, c'est ça ? Moi, justement, moi j'ai plus de clé. J'ai utilisé hier ma clé. Bah, on n'a pas de temps. On peut en faire une au pire. Hein. Je me tâte, parce que du coup, bon, maintenant qu'on l'a fait deux fois, tu vois, est-ce que ça vaut le coup de le refaire une troisième fois ? Non, c'était un peu redondant quand même. Hein. Bah après, ouais, le seul truc de bien, c'est si t'as du stuff que t'as pas, qui est pas encore top sur toi, que tu peux peut-être loot dans l'instance, et puis aussi l'XP que t'as avec la répétable, quoi, c'est tout. Ah, le stuff à ce niveau, en vrai. Ouais, c'est ça. Non, mais niveau stuff, là, moi je suis bien, hein, perso. C'est pas fort. Après, c'est plus. Bleues, il faut voir la quête du chien, combien elle donne. Voir si moi, c'est le level 32 là, elle me donne 5000 d'XP. Ouh ! C'est énorme ! Ah oui, quand même ! Et oui. Ah ouais, et tu vas me dire que là, je vais louper 5000 d'XP parce que j'ai oublié de ramasser un nonos ? Non, en vrai, je pense que tu vas le trouver là. Ah ouais, tu penses ? Oh, y'a un sac ! Ouais, voilà, ça doit être ça. Ah ouais. Ah non, mais non, c'est un. Oh, c'est le décor ! Un propre, ouais. Oh. Oh non. Oh non, il ressemblait. Il ressemblait tellement au coffre de loot en fait quoi. Super. Nice. Ah non. Oh, le suspense est monstrueux là. Mm. Du coup, ce serait potentiellement là. Ouais, bah là, on en vient quoi. Bah, c'est là. Attends, on vient d'où là? Je suis en train de me perdre. Non, on est allé. Ah, non, oui. La moindre idée. Et puis, je veux pas vous laisser que ta place donc. Je suis en train de. Ouais. Et ça. Non, je pense que apparemment ça sert à rien. Ouais, rien, je pense que ça a malheureusement dépop en fait. Oh. T'as regardé partout ? Ben. Je rentre. Je suis en train de rentrer là. Là où je pense que ça aurait pu être, c'est-à-dire là où il y avait les mobs, quoi. J'avoue que. Yes. Je vais gagner une deuxième fois l'expédition. Je viens de rentrer, ça m'a dit victoire. Bon, GG, mec, pour cette expédition. Je me souviens avoir vu Os durant un combat et que tu l'as ramassé. J'ai ramassé 4 Os, mais non, il m'en faut 5 en fait. Pour la quête, c'est ça qui est. Non, mais je pense que c'est mort. Hein. On a un là. On avait un là. Et les autres. Je sais qu'il y en a. Quand on est redescendu, tu sais, là où on se met sur les pylônes pour activer le pont qui s'élève là. Attends, suis-moi, pense. On va faire le tour des endroits où il y a des. Vas-y, continue. Ok. Normalement, il y en a un juste à ta droite là. C'est non. Ah non, c'est après le pont, pardon. Là-bas ? Ouais, mais non, on y est allé là tout à l'heure. Non, mais je pense. Honnêtement, les gars. Ici, là, ouais, normalement, il y en a un. On a un ici. Regarde, peut-être sous le pont. Non. Je sais pas s'ils en drop avant qu'on rentre dans cette pièce. Non, sans les tuer. Je fais vite le tour ici. On est déjà passé. Là on est passé. Le coffre sous la cascade a été pris, ouais, tout à fail. De toute façon c'est pas ça qui donne le tout. Les os. Les os. Là, c'est bon. Ok, bon, ensuite, bah écoutez, c'est pas grave hein. Non mais t'inquiète. Il y en a un par là-bas normalement.
ça m'est arrivé de pas avoir l'autre les 5. Ouais, je pense que c'est un truc qui arrivait souvent. Hein. Mais en réalité, j'avoue que j'ai pas trop espoir de trouver quoi que ce soit. Hein. Je pense que c'est juste dead. Red dead. Ouais, mais si tu le trouves, c'est 5000 d'XP quand même, donc... Ouais, mais... Ouais, mais... On va pas le trouver. Je pense qu'on ne le trouvera pas. Si, si, t'inquiète pas. Ensuite, ouais. À gauche. Ah ouais, yes. Bah, c'est fermé pour moi. Ah pas... oui. Ah non, c'est bon. Je peux traverser la porte, ok. Hop. Ok, let's go. Ok, par là. Ouais, après, il reste que là. Hein. Par là, y'a rien. Et puis peut-être avant. Non, là, y'a rien. Rien du tout. Oh l'enfer. Si y'a rien, ça sera avant, alors. Bah ouais, on peut retourner avant. Dernière chance, c'est là-bas. Ouais. Ici, là. Si, y avait un mini-boss, là, au début, là. Après, c'est une quête répétable que j'ai, du coup, déjà fait, hein, je précise. Juste, bah là, je voulais juste les petits 5000 d'XP ou calme, quoi. C'est l'avant-dernier que tu as raté dans la salle du deuxième boss. Ouais, bah, il y était pas, hein. Là, après, si c'est pas ici, je vois pas où ça peut être. Mais il peut pas y en avoir au-dessus, ouais. Je pense. Ouais. Non, bah, c'est mort, hein. C'est pas grave, hein. C'est ma faute. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Non, c'est ma faute, c'est ma faute. Bah, écoutez, la prochaine fois que je le ferai, au moins, j'aurai... comme tout le monde, la quête validée, quoi. Comme absolument tout le monde, même les gens qui ne sont pas à 4 sur 5 actuellement, quoi. On sort par l'entrée. Bah, mec, on est plutôt poli, ouais. Ah, c'est chiant, quand même. C'est dommage, hein. Oui, c'est... Okay. Eh bah, vous savez quoi, ça m'apprendra à être plus attentif sur le loot dans New World, en vrai. Est-ce que tu peux l'acheter à l'hôtel des ventes? Non, parce que c'est un objet de quête, du coup. T'inquiète pas que moi je suis bien focus sur tout ce qui est loot. Hein. Bien le doigt constamment sur eux. Ouais bah y'a rien. Non bah laissez tomber, c'est pas grave. Y'a rien. C'est pas grave. Oh, ça m'embête quand même un peu. Mais... non. Ça m'embête un peu. Un petit peu ouais. Je pourrais je crois. Ouais c'est un peu relou effectivement. Ah bon ouais une troisième fois je pense. Je suis moyen chaud en vrai, on vient de le... Parce qu'en fait, si je comprends bien, tu peux farmer en boucle ça. Genre en gros... Ouais, c'est ce qu'ils ont fait les autres. Hein. C'est ce qu'ils ont fait les autres? Ah ouais? Ouais, ouais. Oh. Je pense de 20... Ils ont commencé à y aller au level 23, je crois. Et ils sont restés là jusqu'au level 20... Alors, à confirmer, mais... Level 27 ou par là, ouais, je crois. Parce qu'en fait, la quête du chien, regarde, même moi, level 32, ça me donne encore 5000 d'XP quasi, donc... c'est super rentable, quoi. Quand t'as un groupe vraiment optimisé où tu rushes le donjon, je pense que tu le fais en 15 minutes, 20 minutes. Et toutes les 20 minutes, t'as 5000, ouais. Merci, merci. C'est gentil, Boots. J'utilise pas, donc. Bah, merci. Tu sais que moi, j'y pense jamais dans les fights, mais merci. On peut en venir là. Racleur de bidet vous a invité. Qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai acheté des bonnes fin de journée à tous. Merci, Boots. Merci. Merci beaucoup. Ciao ciao. Ciao. Salut. Bisous bisous. Du coup oui, prends celui que tu veux. Gantlet 339. Ah. Force Intel ou bien Intel. Les cours établissent 1,9% de vos points de mana. 10 secondes de recharge. Ah. Ok. Pas la dingue non plus quoi. Attends, quoi, j'ai quoi? Ah oui. Je vais prendre ça. Hop là. Hop les. Hop les. T'as dit quoi? Tu as pas des crafts sans faire exprès cette fois? Non, je l'ai mis, mec. Ok, ok. Ça va. Non, je l'ai mis. Ah. Bon, ouais, qu'est-ce qu'on se fait? Est-ce qu'on se continue Notre petite principale, notre petite quête principale, je pense. On va faire ça, ouais. Faire ouais, moi aussi je vais aller continuer Apex. Bah, bon courage à vous. Hein. Bah, merci bah, Nexa, c'était très cool. Si jamais vous avez un donjon ou quoi, n'hésitez pas. Hein. Moi je suis pas loin de vous au niveau level. Donc, ouais, ouais donc, carrément, j'hésiterai pas, Alexa. T'es dans la compagnie aussi? Ouais, ouais, je suis dans la compagnie. Yep. J'avance à mon rythme aussi. Ok, bah let's go. Let's go, let's ouais. go. Bah, merci Nexa en tout cas. Bonne fin de journée à vous. Merci, ciao ciao. Ciao les gars. Ciao ciao. Bon, bah on est parti sur la principale. Bah, juste let's go. Attends, il faut est-ce pas quitter le groupe. Je vite. On ouais. Faire ça. Taf. F1. Compte. Alors.
Ok. J'accepte mon groupe, c'est pas. J'ai accepté, ça me fait live. Hop là. Ok, nice. Bah mec, on continue la principale du coup. Yep, exactement. Tu sais où elle est ? Et oui, il faut retourner encore voir le même. Exactement. Mec. C'est un enfer. C'est un plaisir. T'as pris un peu de l'XP ou pas sur ça ? Bon, ça va. La quête du chien à Carrie, en vrai. En fait, bah ouais. En fait, s'il n'y a pas la quête du chien. C'est pas fou. Ah ouais, c'est pas ouf, ouf. Mais c'est comme ça dans tous les MMO, j'ai envie de dire. Oui, concrètement, oui. Tiens, je te coupe un arbre. Merci, bruh. Merci, bruh. Je t'ai coupé. Tu l'as vraiment littéralement coupé. Oui, là, je te l'ai vraiment coupé. Ouais. Ah, mais attends, j'ai une quête là. Épinglé, c'est quoi ? Ah, mais en vrai, attends, j'ai une quête vraiment juste là. Genre là. Ne me dis pas ce qu'il faut faire, laisse-moi deviner. Vas-y. Il faut. Certainement. Cueillir des baies. Pas loin. J'ai cru que t'allais la voir, tu l'as pas eu finalement. Aïe aïe aïe. Que ça pourrait bien être. Laisse-moi réfléchir. Non. Ne me dis pas. Il faut. Ramasser les coffres. Si monsieur. Mais non. Si monsieur. Merci pour ces donjons, pour ces raclures, un vrai plaisir. Oui, c'était très cool, Boots. C'était très très cool. N'hésite pas à nous contacter si jamais tu veux qu'on se la régale. Oui. En revanche, si ça peut te rassurer, raclure. Oui. Je n'ai besoin que de encore deux coffres hein, actuellement, donc ça va. C'est que je vois que t'en as besoin de trois. Ouais mais j'en ai déjà... Pardon. Ah, non mais, tu sais, lire c'est quand même compliqué en vrai. Ah mec, les chiffres, effectivement, c'est pas forcément simple. Effectivement. Non mais c'est la quête des coffres la plus simple ever. Pulvérisation en masse. Et on remercie Amazon pour ses quêtes de coffres, évidemment. Hop, terminé, c'est bon. J'avoue qu'ils ont fait aucun effort sur les quêtes, hein, quand même, putain. Non, enfin, sur les quêtes PVE, c'est vraiment une catastrophe. Hein. Rien à voir, mais t'avais joué à Crucible, toi, ou pas ? À Crucible, c'est quoi, Crucible ? C'était l'ancien jeu d'Amazon. Enfin, l'ancien, le précédent. Attends, c'était quoi, Crucible ? Ça te dit rien ? Non. C'est une espèce de MOBA. Fait par Amazon, du coup. De quelle année ? Oh, je dirais 2019, quand même. C'est Zola. What ? Non. Crucible ? Non. Ça te dit vraiment rien. Crucible ? Non. Ah bon ? C'était un MOBA, du coup. Fait par Amazon, je me répète. Bah ouais. Bah ouais, non, mais apparemment, c'était un énorme beat, justement. Crucible, le MOBA. Non. Et bah moi, j'ai bien aimé. Voilà. Je le dis, je le crie. Tout le monde déteste ce... Enfin, tout le monde. C'était sympa, je pense pas que ça marche encore. Bah non, apparemment c'est un énorme bide, j'avoue. Non mais le jeu est supprimé, donc ouais. C'est un peu dead. Hein. Le truc c'est que je voyais beaucoup de monde qui se plaignait que le jeu était fait par Amazon et c'était globalement que ça leur argument. Amazon Game, point. Il y a des gens, ils étaient là en mode, oui, regardez, quand je suis dans le menu, ça consomme 80% de ma carte graphique, ça veut dire que Amazon mine de la crypto-monnaie sur mon PC, genre. Hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? Il y avait vraiment des trucs comme ça ? Ouais, hein, tu regardes les reviews Steam, il n'y a que de ça. C'est que des gens ravagés parce que c'est un jeu fait par Amazon. Non, j'avais vraiment bien aimé. Hein. Ma vie. Choisissez quelle sera votre prochaine contribution à notre cause. Rien à voir, pense, mais tu as pensé quoi de Road 96 ? Ah, c'est ma petite pépite de l'année, j'adore. Très très bon jeu. Ah ouais, franchement, j'ai adoré. C'était un vrai kiff. Trop bien, ce jeu. Bah, quête principale, on se TP ? Bien évidemment. Let's go, c'est TP. Let's go. Nice, je viens de le prendre. Ah, Road 96. Bah, après, faut aimer ce genre de jeu, hein, quand même. Mais c'est un jeu à choix. Et un peu... Ouais, c'est à choix. Hein. Tout simplement, c'est une aventure à choix, quoi. Mais vraiment très, très sympa. Petit road trip, gauche, quoi. À gauche, ouais, gauche.
Attends, je veux tenter un truc parce que là j'ai une quête ah où oui, je dois fouiller les coffres. Tu sais à combien je suis? 3 sur 5. Mais on avance hein. C'est un enfer cet endroit pour expliquer un peu pour ceux qui connaissent pas l'endroit où je suis là. En fait, il y a une quête où il faut que je ramasse 5 coffres. Le problème c'est que sur toute la map, il y en a qu'un. Donc en fait, ce que je dois faire c'est le ramasser des fois quand je passe à côté et puis attendre que ça ripop genre bah, quelques heures quoi. Voilà, et je sais où il est donc j'y vais. Je crois qu'il Ouais, il est en face, hein. Par là. Ce truc là là. Ouais. Attends, je soigne en random. Eh bah mec, non. Je l'ai pris il y a environ 2 heures et ça l'a pas... Enfin voilà, je peux toujours pas. Oh non, l'enfer. C'est pas grave, tranquille, on repart. Si tu le découvres quoi en boucle de vent, est-ce que ça marche? Je sais pas, hein. Oh, de toute façon, on passe toujours là parce qu'il y a Yanis, notre pote à côté, donc... Tant qu'il y a notre pote à côté, ça va. Hein. C'est bien vrai. J'espère qu'il va pas nous demander de quitter à 14 km. Non, il y en a bien 5 sur le camp, j'ai fait les 5 d'un coup. Ah, je te jure, la dernière fois, on y a passé genre 20 minutes. Je te promets, j'y suis allé plein de fois. Pour prendre ce coffre, il y en a pas d'autre. Voilà. Alors peut-être que sur notre serveur, c'est bugué, je sais pas. Il y en a plusieurs. Ah, je vous jure que non. On va pas rechecker parce que la dernière fois, on l'a déjà fait. Pendant 20 minutes, on a tourné autour. Oui, oui. Je suis parti, hein. Mais je pense que c'est sur notre serveur que ça bug, je vous jure qu'il n'y a pas. Il n'y en a qu'un seul. En plus, j'ai eu une même quête à ce même endroit, mais moi, il me demandait de ramasser qu'un seul coffre. Pas 5. Ah, moi, je bien sais pas si c'est la quête qui pose problème, c'est la zone. Aucune idée, mais ce qui est sûr, c'est que ça marche pas comme ça devrait. Ah, ça, c'est sûr que ça marche pas comme ça devrait, effectivement. Sur le même serve, mais il y en a plusieurs. Niro du coup, je vais faire un tour, il y a que dalle. 5000 XP c'est pas mal quand même, je suis un peu deg pour l'os, hein. Mais tranquille. Bien raison d'être deg, ouais. Je suis au fond. Ok, j'ai une belle bague, qui est limite mieux que ce que tu m'as donné, tranquille. Hein? Non. Qu'est-ce que t'as dit là? De quoi? Non, quoi? Vivement niveau 30 hein, que je puisse la mettre quoi. Quoi? 1. 2. Ah mais non, c'est qu'une bague, non. Tranquille. En parlant du niveau 30. Oh GG! C'est le boss en fait. Bravo! La moitié du par... Pas du tout la moitié, t'en as pour encore 15 ans. Le rituel, est-ce qu'on irait pas se faire le rituel? Le rituel, hein. Bah la suite. Ah oui, en effet. Attends, est-ce que tu as une quête qui se nomme l'expédition Stevens, niveau 23? Expédition Stevens. Peut-être qu'il faut que tu ailles la prendre maintenant que tu as monté de niveau. Non, tu l'as pas, parce que vraiment, elle est à 1 cm. Donc si on peut faire une pierre de coup... Bah vas-y, hein, moi je te suis. Hein. Regarde si t'as des 4 sur Gré du Vent. Gré du Vent, ouais j'en ai, mais elles sont à l'est en fait. Mais sur la colonie. Non, t'as l'air de rien avoir. Attends, regarde... la quête que t'as à Gré du Vent, elle est niveau combien? Laquelle? On a une au sud de Gré du Vent. Ah, niveau 14. Enfin, peut-être que je le fasse. Hein. Énormément d'avance encore, je suis au quête niveau 23, moi. Bon, bah go, hein. Go faire l'ours. Ah ouais, faire l'ours? Ouais. Non, parce que en fait, je l'ai aussi, donc peut-être qu'il faut que tu la finisses avant, je sais pas, aucune idée. Ok. Par contre, ce que je comprends, c'est pourquoi ça ne s'affiche pas en haut sur ma boussole? J'ai plus rien, moi. Ah oui, non, mais c'est un désastre, ça. Ah, ça bug aussi? Ouais, non, c'est pareil. Oh, mais c'est clafi de bug. C'est une catastrophe. C'est pour ça, il faut une commande pour reset l'interface. Mais ça marche pas, y a rien qui va. C'est un bug, j'avais la même. Ok. L'enfer. On peut peut-être se TP ou pas. Comme tu veux. Ah oui, pardon, oui. Ah oui, d'accord, saut de TP au Gré du Vent ville et descendre ouais. À pied. Après, ça commence à coûter cher en azote, mais je veux dire, j'en ai 180. Bon. Oui, Osef, je suis toujours fou, j'avoue. Vas-y, go. En vrai, je pensais que ça allait coûter super cher la TP. Mais l'azote, on en a tellement. Tout le temps, on est tellement tout le temps full. Hein. Bah ouais, après, je pense que là, on dit ça pour le moment parce qu'on quête souvent dans un endroit où on fait beaucoup de choses et tout. Je pense qu'après, niveau max, quand tu te déplaces vite parce qu'il y a une guerre là, puis il fait ça, puis machin, puis je bouge. Tu vois, je pense que déjà, t'en consommes un peu plus. Je pense.
Oh, viens, on active un peu le PVP, mec. Ah, t'as envie? Vas-y, let's go. Hein. Paf! C'est vrai que ça fait longtemps. En bon souvenir des dindons. Mec, on active. Juste let's go en fait. Du coup, on va au sud. Ouais, non. Je prends les quêtes PVP. T'as accepté, hop, mon PVP. J'accepte de suite. J'accepte les quêtes PVP ici. Il y en a combien? Une, deux, trois. On les focus, hein. Ils sont où? Elles sont toutes à l'est. Tout au nord, pardon. Ah, les trois au nord, là? Ouais, mais du coup, elles sont complètement à l'opposé de l'eau. C'est le jeu, mec. Donc, on va faire... Ours Piquette, c'est parti. Ours Piquette, mec. Let's go. De toute façon, on va croiser personne au sud. Enfin, personne avec le PV actif. Non, bien sûr que non. T'as raison, attends. Il n'y a plus de source d'azote à haut niveau, aussi. Plus ou plus? Plus, tu veux dire, non? J'imagine plus. On est coincé dans cette ville. Non, c'est bon. Ok, là on est gré du vent. Je vais mettre mes points de réputation, effectivement, gré du vent. Je vais mettre de l'XP supplémentaire. Et je vais mettre réputation supplémentaire. Pour le moment, je préfère ça. Hop. Merde, qu'est-ce que je fous? J'étais en autopilote. Let's go. Hein. Escalade, je vais rien te dire. L'azote, oui, il y a ça aussi, mec, on crafte pas. Du coup, notre azote part pas aussi, tu vois, on met pas d'azote dans nos crafts, on crafte pas. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Le truc, c'est que... met de l'azote dans des crafts pour qu'il soit au petit... Le truc, c'est que on sert à rien de ce petit au niveau 30, quoi. Donc, du coup, je pense pas qu'il faut en utiliser maintenant. Ouais, mais je pense que c'est pour ça qu'on en a beaucoup. Ouais. Par contre, je mets des critiques à 800 maintenant, c'est un délire. Juste le boss, juste le boss. Ouais. Un couteau en silex? Ah non, en fer. J'ai rêvé. Non. J'en profite pour farmer un peu, sinon je monterai jamais. Vas-y, vas-y. Hein. Moi, je t'entame les rochers. Vas-y, tu peux faire suite gauche. Quel crack. Je t'entame les rochers, entame-moi les rochers, mec. C'est bon, tu peux faire suite droite et suite gauche. Quel crack. Incroyable. Tu penses qu'ils vont un jour modifier ça, tu vois, genre en mode de... Combien de coups de pioche tu as mis, alors tant d'XP ou quoi? Est-ce qu'ils veulent instancier les choses? Je sais pas, hein. Bah, pour plutôt récompenser la personne qui a farm, peut-être, tu vois, je sais pas. Alors, oh. Là-bas. Où ça? Ah, je croyais que tu le prenais. Tu peux le prendre. Prends des trucs, mec, hein. Je suis niveau 95 en excavation. Je vais rien prendre, attends, quand même. Serre-toi, hein. Fais comme chez toi. Quand je me mets... Non, je suis combien? J'ai même pas regardé mon niveau, attends. 38, je vais. 38? Ouais. Je joue 95, t'as farmé sale, hein? Ouais, mais en même temps, tu joues pas avec moi! Mais j'étais pas là! Et moi, je t'ai dit, hein, m'attends jamais, hein, fonce, hein! Et t'inquiète, t'inquiète. Hop. 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 Est-ce que tu penses que ça se fait de se connecter à New World par exemple et juste tu vois le temps de une demi-heure, une heure juste farmer tu vois? Moi ouais, j'ai déjà fait, ouais. Ok. Quand je revenais du cinéma parce que je suis allé voir Dune. Et bah, j'ai t'es allé voir Dune quand? Bah exactement le même jour que toi, l'exact même heure en fait. Non. Si. T'étais à quel cinéma? Alors... Enfin t'es pas obligé de me dire mais genre... Ouais. En banlieue parisienne. Ok, non. C'est un peu flou. Bah c'est pas le même du coup. C'était pas le même. Parce que moi je l'ai pas vu sur Paname, mon pote.
Ah ouais, moi. T'es allé dans un qui propose l'IMAX, la 4D et... Pas du tout, je suis allé dans le petit cinéma qu'il y a à Saint-Germain-en-Laye. Qui c'est trop drôle parce qu'en fait c'est pas un grand cinéma. Hein. Mais genre, tu dois monter des marches pendant peut-être 2 minutes, mais 2 minutes de montage de marche, c'est énorme. Hein. Et genre c'est super haut, et ça s'arrête jamais, et tu te dis mais attends, mais, et t'arrives, et là t'ouvres la porte pour rentrer dans la salle, et là t'es deg. Genre la salle est petite en fait. Genre la salle est... c'est une salle random. C'est un KGB. et tu te dis putain mais quoi, mais je m'attendais à un truc monstrueux, ça fait 2 minutes que je monte. Le truc est random. Petit, le son est pas ouf. Sur Dune tu vois genre... le son était trop fort. Je sais pas ce qu'ils ont, les cinémas, à mettre le son trop fort en mode « On adore les effets énormes !» Mais genre, le son est juste trop fort. C'est pas très agréable. J'avoue. Je sais pas, j'aime bien me sentir trembler de l'intérieur. C'est très bizarre hein, comme phrase. Mais... Non, je comprends, moi aussi. Mais quand la qualité... Enfin, quand le sound system est pas agréable, c'est pas fou, quoi, quand même. Hein. Mais moi aussi, j'aime bien quand c'est... Moi aussi, j'aime bien quand c'est fort, tu vois, quand ça balance, quand ça me touche et tout. Mais là, c'est juste désagréable, quoi. Je sais pas pourquoi, j'avais pas l'impression que le son était si fort, pourtant il me faisait vraiment vibrer. Parce que Hans Zimmer et parce que la créa était quand même assez stylée et de base fait vibrer, c'est un peu le but hein, quand même. Non mais fait vibrer mes organes internes en fait, c'est ça que je veux dire. Ouais, ouais mais je vois tout à fait. Mais sur un... Ah merde, putain, je suis trop con. Mais sur un très bon sound system, tu peux vibrer de ouf, tu vois. C'est pas qu'une question de volume, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est sûr. Non, moi, je sais pas, dans ma salle, c'était pas si mal géré. Ah bah t'as une chance in... Oh mec, tu vois l'ours là-dedans. Oh putain. Aïe. On l'a juste pulvérisé. Ouais. D'ailleurs, sache qu'il y a une quête qui demande de tuer 3 ours, et c'est le seul ours de la map, donc c'est un peu relou. Ah mais ouais, mais ça... Peu. Il faut qu'il fasse quelque chose, hein, ça va pas du tout, hein. Ouais. Alors je voulais le dépecer pour toi, mais j'ai mis ce et je l'ai fini. Le serveur lag pas mal. Donc... Ouais, c'est... Oh oh, oh, oh mec, c'est de la merde. Oh non. C'est bleu, il y a écrit toucher du givre. Ouais, mais en fait le truc c'est que pleinement renforcé, les coups critiques octroient 15% de renforcement pendant 5 secondes. Renforcement, du coup le truc est déjà gémé, 30% des dégâts sont convertis en dégâts de magie occulte. Les dégâts sont calculés en fonction de la valeur de base de l'arme ou de l'intelligence. La valeur la plus élevée étant retenue. Pas compris. Moi, c'est ce que j'ai compris, mec. Mm-hmm. Recycler. Oh voilà. Il recycle. C'est terminé, mec. Viens, là-bas. Paf. Paf. Ici, là. Paf. Ah. Ah. Non, bah écoutez, merci. Écoutez, je pense que c'était... Ouais, non, mais c'était aussi un ours niveau 16. Hein. Ok, on retourne to Colony. Into KGCJ. Exactement, on y retourne à pied du coup à la colonie. Oh, merci. Merci. Les items bleus, essaie de les vendre. J'avoue que j'aurais dû le vendre en fait, non? Ah, je sais pas si ça s'achète à ce niveau-là. Peut-être, hein. Il était pas lié si ramassé? Mec, j'ai même pas regardé. Ah, yes. T'inquiète. J'ai l'impression aussi que c'est un problème commun à tous les films et séries, peu importe le support sur lequel on regarde, les dialogues sont ultra bas, donc tu montes le son et d'un coup il y a une action ou une musique volume x10. Ils savent pas regarder leur ligne audio au montage pour voir leur ligne audio. Ben... Ouais, je sais pas. Moi je suis pas d'accord, c'est pas partout quand même. C'est pas partout. Mais c'est vrai que des fois le son est mal mixé, hein. Ça c'est... Après, en vrai, c'est un problème. Le son, c'est un problème partout, tout le temps. Hein. Regarde sur les vidéos YouTube, même des plus gros YouTubeurs et tout. Il y a des problèmes de son, quoi, des fois. Genre, par exemple, je regardais la dernière vidéo de JDG qui parlait de World of Warcraft. Donc, je me suis dit, tiens, je vais regarder, tu vois. Et j'ai regardé. Mais, genre, la synchro labiale est foireuse. Je sais pas si vous avez remarqué. Bah, après, peut-être que je suis trop sensible à ça, mais bah, concrètement, il y a un demi-seconde de décalage, quoi, je pense. Je pense, à peu près. Et du coup, bah après moi je suis facilement trigger par ça, tu vois, mais je regarde et je me dis, ah merde, je suis déçu. Ça me trigger. Ah bon.
synchro labial, c'est-à-dire qu'en gros, le son est soit en avant, soit en retard par rapport à ce qu'on voit au moment où il l'a dit, quoi, c'est-à-dire ce qu'on voit de la bouche, quoi. La synchro lymphatique, je l'ai dans le chat. Bien joué, bien joué. Oui. Mais après le son c'est mystique aussi hein. C'est un peu mystique le son hein. C'est quelque chose chaque fois que enfin souvent quand je vais en event ou quoi qu'il y a des sondiers, j'essaie de parler un peu avec eux, tu vois, des ingés sons quoi, et tellement d'infos différentes, faut essayer de tout mixer, ça dépend des voix, des gens, des matos, des systèmes, des hardware, des software, enfin c'est un truc de fou hein. C'est vraiment un truc de fou. Mais c'est assez passionnant je trouve quand même. C'est vrai. C'est quand même beau Dune, hein. Dune ? Ah oui, par contre, c'est absolument c'est magnifique. C'est quoi toi ton avis d'ailleurs dessus ? Alors, si je mets de côté le scénario, d'un point de vue technique, c'est très 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 très, très réussi. Ouais, mais t'as mis de côté le scénario, voilà. Oui, alors deux secondes. je veux dire, le seul truc qui m'a un petit peu énervé d'un point de vue technique, c'est qu'ils ont beaucoup tendance à faire des flashbangs, voilà, donc passer d'une scène très sombre à une scène extrêmement claire. C'est assez aveuglant, je sais pas si t'as le même avis. Ça m'a pas choqué. Ah, moi ça m'a niqué les yeux, genre. C'était horrible. Ah ouais ? Ouais, genre vraiment. Ça m'a pas choqué, j'avoue. Ah bon ? Moi, ça m'a pas choqué, toi. Le film fait mal aux yeux par moments. Ah ouais ? Putain, pourtant, moi qui ai les yeux aussi qui se pètent en deux, j'ai pas. Ça m'a pas trigger, tu vois. Non, je jette quelques trucs pour le poids, tranquille. Mais du coup, ouais, c'est un peu dur de parler du scénario sans spoil quand même, mais. Non. Oui. Non. Si. Mais sinon. Alors, je vais pas dire que c'était nul, hein. Non, clairement pas. C'était pas nul. Loin de là. Juste, c'était très décousu, je trouve. Vraiment, on saute de scènes qui n'ont rien à voir entre elles. Ok. Un peu étrange. Vous pouvez prévenir quand ça spoil plus. Franchement, ça spoil pas du tout. On va pas spoiler. Hein. On spoil pas. Vous en faites pas. Où... Je rigole. Oh mais du coup, oui. Ouais, je trouvais ça un peu décousu, mais c'est beaucoup d'exposition en fait. Ça prépare une suite. Normal. Oh, c'est une trilogie, ouais. Donc vraiment, je pense que pendant les 45 premières minutes, j'ai rien capté. C'était cool. Non, sinon, c'était une bonne expérience quand même. Ouais. Écoute, je suis un peu comme toi, moi, au niveau scénar, j'ai trouvé ça vraiment à chier. Je vais être honnête. Okay. Hein. Ouais, je trouvais ça vraiment... Enfin, les bases sont posées, et après... Oh, c'est Lexa. Et après, je trouve que quand même, en 2h30, bah franchement... Oui. Tu sens que ça veut raconter un truc, mais j'aimerais comprendre le truc que ça veut raconter en fait, c'est un peu étrange ça. Ben ouais, tu te dis d'accord, ouais, et la finalité, enfin après oui. Ok c'est une trilogie et donc on verra, mais tu sais tu dis d'accord, ok, ou bien, ça avance très lentement, c'est un choix aussi, mais bon, au final c'est un peu chiant. Après j'ai trouvé évidemment le film magnifique, j'en ai pris plein la gueule, plein les oreilles, moi j'aime bien la réal lente, tu vois par exemple. Moi ça me dérange pas du tout quand les choses vont lentement, quand il y a des scènes où pendant 3 minutes t'as des plans quasi fixes sur des choses avec une musique forte et puis tu te dis putain ça avance pas. Moi tu vois ça me dérange pas, au contraire j'aime bien. Mais là même les scènes qui sont censées faire avancer, ça fait pas non plus, t'avances pas de fou quoi. Ouais, enfin, ça. Je trouve. Après c'est quand même une bonne expérience, rien que pour les visuels. De ouf, c'est à voir hein, c'est à voir je pense. Hein. C'est à voir mais pas à comprendre genre, oublie, c'est pas grave. Ouais, même au cinéma, tu slow-run. Non mais c'est agréable, franchement. Il y a des belles images avec des belles musiques, avec du bon son, avec des... C'est très agréable. C'est un vrai kiff même. Mais ouais, je sais pas. On peut pas trop en dire plus pour éviter quand même. Mec, dire que le scénario est haché, c'est clairement pas avoir saisi le propos. Ben, moi j'ai pas lu les bouquins et j'ai pas vu l'ancien Dune. Et c'est une trilogie, donc peut-être qu'il manque des éléments, mais c'est pas une question d'avoir compris ou pas le propos. Le propos, il est dans le synopsis.
Genre, en réalité, il se passe pas beaucoup plus de choses que le synopsis. Un petit peu, évidemment, mais on va pas le dire, mais voilà. Et en soi, ben... Voilà, quoi. C'est... Ouais, voilà, c'est ça, le film, il pose l'univers, il pose les bases. Faudra voir le 2 et le 3, du coup, tu vois. Pour le coup, ça m'intéresse vraiment de savoir la suite, mais... Mais ouais, j'ai... Moi aussi, du coup. Personnellement, j'ai un peu du mal à comprendre l'avis de Rivenzi qui a dit que le film se suffisait à lui-même. Je vois où il veut en venir, hein. On peut... S'il n'y avait pas de suite, peut-être que, ok, tu peux te faire ton propre scénario, imaginer, ok, bon, peut-être, mais je veux dire, ça reste flou. Je sais pas. Se suffit à lui-même ? Ah oui, c'est vrai que Rive avait dit ça. Ah oui, non, moi je suis pas du tout d'accord, il se suffit pas du tout à lui-même, genre... Non, c'est... D'ailleurs, quand le film se termine, moi j'étais en mode, bon bah... Dommage, j'aurais bien du coup continué, parce que, ok. Tu vois ? J'arrive. Juste parce que... Habitude de te voir faire demi-tour après, donc... Même en livre, je trouve que sans le tome 2, ça n'a pas trop d'intérêt. Bah ouais, après ça se comprend, hein. C'est une histoire qui est longue et qui se raconte en plusieurs étapes, etc. Tu vois ? Donc faudra voir la suite. Attention, hein, je dis ça, mais j'ai adoré le film et je suis trop content de l'avoir vu et j'invite tout le monde à aller le voir parce que c'est trop agréable d'aller voir ça au cinéma, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas un film que je regarderais sur mon téléphone, dans mon lit, non. Non. Vraiment, c'est une expérience cinématographique avant tout, je pense. Du coup, en résumé, c'était super, 6 sur 20. Meilleur film de ma vie, 4,5. Non, en vrai c'était top, c'était vraiment top quoi, mais pas pour les bonnes raisons, enfin, si, pour les bonnes raisons. On va dire pas. Que, on, ouais, ça pose les bases quoi, voilà, ça pose les bases. Totalement. Ah là, je dois couper du bois aussi. Du bois. Hein. Commencer. Après, encore une fois, un truc qui me saoule, mais bon, why not? Tu vois? La mère et l'enfant. Oula, spoil pas. Mais j'ai rien dit, mec. Non, vas-y. Non, j'allais dire la mère et l'enfant. Concrètement, les comédiens, ils ont... Faudrait aller checker, mais ils ont grand maximum 10 ans d'écart, quoi, je pense. Mais c'est toujours pareil, hein. Ouais. Spoil pas. Ah non, je... Aucun spoil. Je te vole tes arbres. Vas-y, c'est la quête, hein. Non, je te le commence, celui-là. Non, au moins 20 ans. Les comédiens, ils ont au moins 20 ans d'écart ? Non, impossible. Comment c'est celui-là ? Voilà, bah 12 ans. Bah voilà, 12 ans pour être précis. Bah voilà, comme d'hab, 12 ans d'écart. Entre... je te commence pour celui. Quoi ? J'en ai commencé 3, t'en as... Ah, mais fini. Non, mais j'ai plus besoin. Mais t'auras toujours besoin en un sens. Mais non. Pour la quête, là. Et l'autre, il est là-bas, je crois. Merci. Et tu l'as fait, la quête ? Ouais. Ok. Voilà, toi aussi, c'est bon. Maintenant, on peut aller collecter un truc, je pense. Ouais, là-bas. Ouais. C'est pareil pour le nouveau James Bond, sa copine pourrait être sa fille. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est ça tout le temps dans les films. C'est assez dingo. C'est complètement. Assez... Faut vivre avec son temps, 12 ans, c'est déjà vieux pour avoir un gosse. Type du carrousel, des bars. Hop là, le dodge. Là, il y a l'ouest. Hein. On prend. Vas-y. Coupe Starb si tu veux. Ouais, bon, allez. C'est quoi ça? Apporter. Ah, faut rapporter le bois?
C'est ça. Ah oui, d'accord, ok. Vas-y, go. Tum tum tum. Il faut se rappeler qu'il faut pas qu'on croise d'autres joueurs sur le retour, sinon... Si, si, justement, faut qu'on en croise. Terminé. Ah, ok. D'ailleurs, t'as vu, on a croisé personne. Oui, oui, c'est très calme. Mais on se défend quand même... Là, je pense que si on nous attaque, on se défend quand même tellement mieux que la dernière fois. Oui, oui, c'est sûr. Parce que si je te commence tard, bah, je le finis pas. Ok. Ok, celui-là. Vas-y, ça. On a tellement enchaîné. Boum. 40, 40 en abattage, mec. Oula, où ça tire? Quoi? Quoi? Qui? Où? Quoi? C'est lui. Oh. On va le démonter, il n'est pas en JCJ. Il est pas en JCJ? Très très déçu. Il était niveau 44. On l'aurait laminé, je pense, mais bon. Je veux pas flex. Je veux pas flex. Je veux pas flex. Okay. Tu veux pas flex? Ouais. Pas trop envie de flex en ce moment. Ouais, flex un peu, on a 3 quêtes à valide, mon pote à la compote. Oui. Oui. T'as sauté? Ah oui. Oui. Ah oui. Hop là. Hop. Taf. Merci mon bro. Tiens, hop. Cadeau. Exceptionnel comme toujours. Okidoki. Quoi? Ah non. Merci pour me soigner. Ils sont quel level les deux? Alors là, Racture est 30 et moi je suis 25. Voilà. Donc ça avance à son petit rythme, tranquillou. Donc là, on est d'accord, on rentre à la colonie, on rend nos 3 quêtes PVP. Je pense que c'est le pire chemin, gros. Non, mais ouais. Je pense qu'il n'y a pas pire chemin que ce qu'on est en train de faire. Si, t'inquiète. Il y a juste des routes qui auraient pu nous amener directement là-bas. Non, mais il y a bien pire, j'en suis sûr. On va aller un petit peu d'escalade. Pas mal ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... On va aller rendre tout ça. Et puis après, on continue la principale, le rituel. Ok. Ok, let's go. Ça va... forteresse, oui, t'es sûr? Ah oui, oui, comment traverser l'eau, oui, t'as raison. Ouais, ouais, t'inquiète. De toute façon, c'est une forteresse verte. Ouais, c'est vrai. On est chez nous. Et ça fait quoi? Ah oui, c'est celle à attaquer lors des guerres et tout, ok. Il faudra pas trop qu'on tarde vu que tu as dit que t'arrêtais à 17h. C'est bon, j'ai dit ma phrase, yes. Du quatrième essai. Ah pardon, je te coupais depuis le début. Non, c'est pas grave, t'en fais pas. Merde. Dans la première, j'ai juste bégayé. Et pourquoi j'ai 5 niveaux de retard? Bah tout simplement parce que j'ai pas trop le temps de jouer malheureusement. Franchement, j'aimerais bien jouer beaucoup plus, mais j'ai juste pas trop le temps. Et que bah Raclure, moi j'ai pas envie mec que tu... En fait je joue, genre ça change pas grand chose en réalité tu vois. Mais t'en fais pas pour moi, j'ai d'autres jeux à jouer hein. Ah ouais t'es sur quoi ouais? C'est complètement faux. Ah bah voilà, bah joue alors. Attends ça me saoule le chat là, ça me saoule. Moi aussi, mais sous le chat, en plus, ça s'appelle les fleurs, là. Non, le chat du jeu, respect. Relou, quoi. Respect. Je coupe ça, boum. Un niveau 44 derrière, encore. Bouh. 40, mec. Incroyable. C'est niveau 40, les... Les arbres adultes ou 50? C'est 50. Ouais. Il faut savoir que je te montre un truc absurde après. Mm-hmm. Si on revient aux alentours de haute chute, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Ah mais... Quoi? Oui, je m'arrête partout. Oui. Pardon, on trace. Pas grave. Cochon là. Ce soir à 20h30, petite guerre, tu vas la faire? Moi? Ouais. Non, moi je suis sur Popcorn à 20h30, il me semble. T'es sur Popcorn ce soir, ouais. En challenger de la semaine. Exactement. Le crack. Et le challenger de la semaine, Raclour de Bidet, qui vient nous parler de quoi d'ailleurs? Du coup, oh non, non. Tu peux pas dire ça.
Je rigole. Je vais pas dire ça, mec. C'est très très grave ce qu'il vient de dire sur lui-même. Il faut que tu apprennes à t'aimer comme tu es, Raclure. Ok. Tu peux pas m'aimer moi, à la place je t'aime, toi. Je n'ai pas de place pour deux personnes dans mon cœur et je t'aime déjà. D'accord. Oh. C'est tellement mieux. Non, c'est pas mieux, c'est différent, d'accord. Allez, le loup, donne-moi tes entrailles. Alors j'ai une quête à faire juste ici. Je sais pas si tu l'as. Il faut pêcher. Oh, trop bien. Le truc c'est que... Non, j'ai pas. J'ai pas, mais tu veux pêcher? Si tu l'as. Mais je vois que tu l'as. La quête? Bah. J'ai, bien sûr. Ah oui, non mais évidemment, là. Ouais, bah ouais. Ah mais non, mais attends, mais c'est pas du tout pêcher, par contre, c'est récupérer du silex et des brindilles. Oh, c'est pareil. On devrait peut-être rendre ces 4 JCJ avant de se faire gank, mais vas-y. Oh, c'est que j'étais en train de me dire, si là on se fait tuer en JCJ, ce serait énorme. En vrai, c'est mérité. Franchement, si on meurt là, c'est mérité. 100%, par contre. Les lags. Ouais, c'est vrai qu'il ça me fait... Ça me fait un peu peur. Hein. C'est... Je vais pas vous mentir que c'est lag serveur, ça me fait un peu bader. Parce que, ok, il n'y a plus de file d'attente. Mais du coup, ça lag quand on joue, donc c'est un peu... Je suis en train de péter le plan, gros. Je suis en train de péter le plan. Oh, moi, je trouve que c'est une super pub pour AWS. Hein. AWS, pour ceux qui savent pas, c'est les services de serveurs d'Amazon. Zone. Voilà. Il y a même des gens qui ont dit que New World avait été créé pour tester AWS. Il y a des gens qui ont dit ça. Ouais, bah ça marche pas trop, quoi. Vas-y, j'ai récupéré du silex, là. Tu me vois? Ouais, vas-y, récupère ton silex en balle, bro. Ah, tu m'as pas vu, mais je suis en train de me noyer, en fait, c'est pour ça. Ça, c'était censé être drôle. Mais ça l'était même sans que tu te noies, mais la mort n'est pas forcément rigolote, sache-le. Même, j'ai envie de dire jamais. Je suis en full silex, moi aussi, mec. T'en as rien à voir, mais j'ai vu que j'étais passé dans le best-of. Ah bah... Tu es devenu le personnage principal de ma chaîne, mec. Ah. L'enfer, ah. Faudrait qu'on s'arrange pour tout ce qui est mot de passe. Je te file tout ça, mec. Ouais. Petit mail, là. AWS a été créé pour New World, pas du tout. Non, non, c'est super vieux, AWS. Enfin, c'est super vieux. Ça date pas d'hier, quoi, effectivement, comme tu le dis. 2007, il me semble. Je 2007 ou 2008. De toute façon, les pros des serveurs d'hébergement du chat seront mieux que moi. C'est bon, fini. Oh, il faut vite qu'on rentre avant qu'on meure. Oh, t'inquiète. Aucun risque, je pense. 2006, voilà, c'est ça. Tu peux mettre la musique du Meuporc vite fait. Oh, attendez, c'est pas tout le temps. Il faut profiter de cette masterclass. En vrai, c'est vrai. Ouais. Si tu mets le routing de ton sampler sur ton chat, Mike. Attention, les termes compliqués. Ouais. Ça serait mieux parce que je l'ai pas entendu la première fois et t'étais en train de t'en lancer tout ça. Ah, j'étais bouillantissime. Il faudrait que je le mette la prochaine fois. Là, je super fan. Bah il y a... Pas de soucis. J'ai des super samples. Ouais, j'entends ça. Bienvenue dans le Maître des Fleurs, le Battle Royale de la culture générale. Tous les joueurs voilà, démarrent ouais. Avec 3 vies, ouais. On pose des questions, un QCM, on regarde qui a faux, qui a juste. Ceux qui ont faux perdent une vie, ceux qui ont juste ne perdent pas de vie. Le but est d'être le dernier survivant. Qui sera le Maître des Fleurs? On laisse vraiment jusqu'au bout, quoi. Il y a vraiment... Mec, je peux pas l'arrêter, si je rappuie, ça le relance. Ah oui, t'as mis Next Loop, ok. Oui. Normal. Normal. Ah, tout à fait, ouais. Ouvre la session STP. L'âme, ma vie. Choisissez quelle sera votre prochaine contribution. Magnifique, mec. Super. Ça donne tellement plus d'XP par rapport aux 4 de vie, là. Cauchemar. Tellement peu, t'as dit ? Merde, non. Ouais. On désactive le JCJ ? Oui, bah oui, attends. On a joué avec le feu 30 secondes, c'était rigolo. Pompon, j'ai mis un gif de toi dans une conversation de classe, je me suis trompé de conversation. Ah. Bon. Oh bah. Allez. À tout moment, Raclure, c'est juste Ponce en 20 triloquies, puissance 9999.
T'es chaud en ventriloquie, ouais. Allez, direction quête principale, mon pote. Bah, je sais pas, peut-être qu'on peut leur dire que tout ça c'est scripté depuis le début. Je sais pas si c'est le moment. Après. Non, on leur dira plus tard. Ok, ok. On leur dira plus tard, mec. Hop. Non, parce que c'est du cinéma tout ça. Enfin. Oui, on se connaît depuis des années, hein, bidet, récure de bidet, moi. Bah, c'est même mon père en fait. Je suis son papa donc. C'est moi qui l'ai créé. Purement simplement, qui l'ai éduqué, qui l'ai créé, voilà. Purement simplement. Sans moi, il y aurait pas de raclure de bidet, monsieur dame. Ouais, clairement. Je sais pas si du coup on leur dit ou pas. Non. Non, non, je sais pas. Non, plus tard, plus tard. C'est pas le moment, en effet. Tranquille, tranquille, plus tard. Dix ans d'écart. Ouais, non, mais très très précoce, hein. C'est... Oh, il reste 1% de vie à ce caillou. C'est pour moi. Me feras-tu l'honneur? Vas-y. Pah. Merci mec, niveau 40. Et exceptionnel. Hop. Je te conseille de t'améliorer pour craft les potions de régénération de santé. Comme ça, tu pourras te soigner en potions achetées et en plus régène. C'est vrai. C'est vrai. Il faut savoir que dans les jeux, en général, je fais pas les crafts et tout tant que j'en ai pas besoin, tu sais, dans le sens. J'arrive pas à avancer sauf si je fais ça. Bah vous l'avez vu. Sur The Witcher 3 par exemple, je n'ai jamais ressenti le besoin de faire quoi que ce soit, tu vois. J'ai rien grave, je faisais rien. Parce que tant que les combats fonctionnaient, j'étais en mode bon, ça va, tu vois. Du coup bah là c'est un peu pareil, j'avoue la potion, je pense que je finirai par me faire tout ça, tu vois. Mais là dans l'immédiat. Tu sais que tu vas peut-être me prendre pour un connard, mais j'ai jamais joué à Witcher 3. Ah bah dans ce cas-là j'aurais été un énorme connard il y a encore un an. Hein. Non, ouh, mes excuses. Mes excuses, mais non, mais enfin, pourquoi? Il faut pas être en connard pour avoir jamais joué à un jeu, au contraire. Non, mais je rigole, tu me comprends. Je te comprends à 100%, Raclure, t'es mon fils, évidemment que je te comprends. Évidemment. On a grandi ensemble, en fait. C'est incroyable, regarde le rocher. Ne regarde pas le rocher. Vas-y, attends, juste le... Tout ça à 99%. Boum. C'est juste exceptionnel, en fait. Du coup, j'ai acheté la GOTY à l'époque de la sortie. Jamais joué. T'as jamais fait The Witcher 3? Ouais, c'est une expérience de jeu qui est franchement stylée. Le jeu est exceptionnel, hein, je veux dire, sur bien des points, c'est une masterclass. Après, moi, j'ai trouvé le gameplay un peu chiant et du coup, bon bah... Par rapport à tout le jeu, je trouve que les phases de combat, c'était, bah, ça cassait un peu le rythme et tout. Ça dépendait, tu vois, mais un peu, dans l'idée. Mais par contre, l'écriture est exceptionnelle, les dialogues sont dingues. Les personnages ont des... Enfin, il y a un vrai chara-design, il se passe vraiment des choses. Tout tes choix ont un réel impact. Enfin, c'est vraiment. Le jeu est quand même assez abusément ambitieux, quoi. Pour un jeu de 2015 en plus. Putain. Putain. Paf. Ouais, du coup, j'ai lancé le jeu, j'ai vu l'étendue du monde, j'ai fait waouh, mais c'est génial. J'ai désinstallé le jeu. Il y a trop de choses à faire, désolé. Ah, bah oui, par contre, il y a des milliards de trucs à faire. Mais c'est un. En gros, voilà, c'est un jeu qui est à faire. Je pense vraiment que c'est un jeu qui est à faire, pas forcément à terminer, tu vois, ça dépend si on aime ou pas, mais c'est un jeu à essayer, à découvrir. C'est vraiment... c'est un gros morceau, quoi. D'ailleurs, les DLC, est-ce que... Ouais, je sais pas si je vais faire les DLC, moi, je sais pas encore. En fait, en ce moment... Enfin, en fait, il y a trop de jeux. Peut-être qu'un jour, dans ma vie, il y aura pas assez de jeux et je vais me chauffer pour les DLC de The Witcher 3, je sais pas du tout. Mais là... J'ai trop de jeux, quoi. Enfin, trop de attends, jeux. Attends, mais t'as pas joué à Witcher 3 sans faire les DLC. Ah. Trop la honte, quoi. Wow. Ouais, apparemment, Blood and Wine est juste insane, wow. Tu classerais comment le scénario de New World sur une échelle de allant de Mario à The Witcher 3? En réalité, je lis pas, donc donner mon avis, ce serait quand même un peu bâtard. Bah, c'est m'en fous, quoi, m'en fous de fier. Voilà, c'est je m'en fous de fier, quoi, pour moi. J'adore la cure, moi je déteste. Ah, c'est un bâtard. C'est un bâtard. Clairement, ouais. On l'appelle. Toutes les séries que tout le monde a fait, je les ai jamais fait. Oublie. Non, mais j'ai jamais fait non plus. Hein. Moi je joue à Death Stranding, c'est ça qu'il faut comprendre. Cet homme se fait chier, il faut le savoir. Tous les jeux chiants, je les fais. Si le jeu n'est pas chiant, je n'accroche pas. T'as joué à Tactical Mind 2? Quoi? Tactical Mind 2? Est-ce que... Hein? C'est une masterclass de jeux de stratégie au tour par tour. Mais ça date de quand ça?
Ouah, ça, Tactical Mind 2, maintenant ça commence à dater, hein, je dirais 2002, 2016 peut-être, je sais pas. Ouais, j'étais pas né. Non, non, mais c'est un jeu de merde, c'est un jeu de merde. Qui a été longtemps un mème de la chaîne. Parce qu'en gros, quand je me faisais éclater sur Mario Kart ou quoi, je demandais aux gens s'ils connaissaient Tactical Mind 2. Un jeu que j'avais acheté genre 2€ sur le Nintendo eShop pour déconner, tu vois. Et un jour, pendant le premier confinement, je crois. Mais il y a un bug de ouf là. Pendant le premier confinement, ouais. Je me suis dit, tiens, je vais faire Tactical Mind 2 en live pour rigoler, tu vois. Et en vrai, en général, en live, il y a à peu près tout qui passe, même si le jeu est pas ouf, tu peux t'amuser, il y a moyen de trouver des trucs. Mec, je te jure que Tactical Mind 2, je te jure que ça pue la merde. J'ai tenu genre 4 heures, je crois. Viens, on tue tout ça. 4 je crois que j'ai, heures, hein. J'ai tué 4 heures. Je sais qu'il y a plein de viewers qui se sont cassés en mode, ouais, pompon, d'habitude, j'aime bien rester et tout, mais là, c'est horrible et tout. Et j'étais en mode, mais je vous comprends, en fait. Genre, vraiment, c'était immonde. C'était une catastrophe. Hein. Alors, tu sais, je vais pas très bien, mais... Non. T'inquiète, mec, moi aussi. Non, meurs pas, tu... Potion, je suis coincé. Accomplir de grandes choses au secours. Tu es capable d'accomplir tes rêves, ouais. Et qu'est-ce qu'il fout, lui? Il est derrière le portail, mec. Il en a rien à foutre, lui. Mais monsieur... Attends, tu pourras pas le looter, attention. Soigne-moi. Je te soigne, je te remonte, t'es full. Allez, meurs. Incroyable, hein. Mais, attends. Oh, le loot. Oh, j'ai réussi à prendre le loot. Bien joué, bro. Ça te dirait qu'on se soigne un petit ouais, peu. De ouf. C'est quoi, guerre déclarée à 20h30? Ok, oui, non, il se serait à 8 talents, ok. Oh, los. Attends, mais on a rien à foutre là? Ah oui, non, c'est juste les coffres. Laissez le du temps pour activer le joyau du cœur. Pardon, moi j'étais dans les quêtes... Ah, parce que j'avais des quêtes PVE faction, en fait. Bien, n'hésite surtout pas à prendre le petit portail. Oui, parce que c'était un peu le but de notre quête, effectivement. Ça pose des questions qui fâchent dans le chat. Ouais, j'ai vu. Je préférais pas la lire à haute voix, celle-ci. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? C'est tellement cheap. Y'a aucun Waouh! Oh, la sensace du rituel. Waouh! C'est comme le tonneau de... C'est comme le tonneau de jeudi dernier. Oh mais... Y'a rien qui va. Au secours. Bon bah mec, le rituel était assez dingue, je vais avoir du mal à m'en remettre. Non mais là je me suis senti impliqué, hein. Là je lâche ma larme, attends. Oh. Ça... Oh. Oh ça, oh, c'est... Oh mon dieu. Ouah. Faut... C'est chaud, hein. Ah mais on peut partir par là. Oh, je fiole. Tu veux un mouchoir, bro? Ah, non, t'inquiète. Tu me dis. Attends, viens, j'ai une quête là-bas aussi, si ça te dérange pas. Bon. Oh, mais... Oh, attends, remets ta carte 2 secondes. Ouais, tu vois les quêtes que t'as au niveau des épaves de bateau? Bah, j'ai exactement les mêmes. Donc, go. On fera ça juste après, quoi. Oh, putain, j'en veux plus. L'animation était dingue, mec. C'était exceptionnel. Elle était hallucinante, cette animation de... Ça me détruit. Mais vraiment, mais... Toute l'implication du scénario, on voit enfin l'aboutissement. De temps de lecture de lore. C'est... Bah au moins on comprend, quoi. Là, c'est clair. Pas comme ma phrase que je viens de faire, là, elle était assez complexe. Non, elle était belle. Elle est belle. De toute façon, je t'ai dit, le mélange de mots chez moi... C'est vraiment toute une expérience. Mais d'ailleurs, attends, il me manque un coffre ici. Hein. Bien, ouais, je le S. Le dernier coffre. Ah, y a pas de coffre là? Il y a 3 mobs. Ah si, il y a un coffre en plein milieu, je suis biglou quoi. Ok. Je prends les... Hop, ok, je prends ça, hop, j'ai pris les 3 mobs, et là je fais ma stratégie, hop. Vas-y, go. Oh non, il m'a deny. Oh, il m'a deny ma tempête de glace. Ouais, vas-y, ouais.
Go. Yes. Ils pourront pas passer à travers. Oh, t'inquiète. Bon, allez, je viens t'aider un peu quand même. Ah. Super. Ah. Ce, c'est mon dernier coffre, normalement. Ah, j'en peux plus l'animation. Avec les propres, hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je te jure que là... Je vais mettre longtemps, je vais mettre longtemps pour m'en remettre. Hein. Ok. Tu. Tu. Ah, d'accomplir. De grandes choses. Mais oui, maman. Du cœur. Ni maman. De réaliser tes rêves. Oh, y'a un lynx. Tu le dépasses ? Non, vas-y, vas-y. T'inquiète. Ah, il faut qu'on partage aussi, il y a un moment. Oh. Boum, niveau 40. J'étais déjà. Oh, le petit stream bidé là. Mmh. Oh, t'as quoi? Exactement le même verre que moi. Le verre coca ouais. Vert là. Ouais, de la même couleur en plus. Énorme. Je ne saurais pas te dire de quand il date. Mais je pense qu'effectivement, les verres coca ont armé pas mal d'étudiants de base. Il va où? Ah, écoute, hein, le pathfinding, ça c'est complexe. Mais non. Non, non, je te jure. Non, 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 je te jure que j'ai pas des coffres à récup, je te promets. Non, non, honnêtement, c'est très simple. Je dois juste tuer 6 mobs. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce coffre, c'est un réflexe. Oh, on a des poussames ici. Ils vivent juste dans le même appart. Chut, chut. On dit qu'on les quitte pas aujourd'hui. Ok, j'ai tout mis dans le vide, c'était top. Voilà, ah non, il en reste un. Un quoi? Un gardien à tuer, un défenseur gardien, je sais pas exactement quoi. Tu es capable d'accomplir de grandes choses. Pas du tout ça la mélodie. Tu es capable... Non. Réaliser tes rêves. En fait, c'est-à-dire que je l'ai plus écouté avec des gens qui le chantent pour troll que la réalité, tu vois. Oui, bah... Merde. De toute façon, je veux pas... J'ai rien contre Doigby, hein, mais... Oh bah non, mais non, mais on... Oui, voilà, on n'a oh, pas besoin d'en vouloir à Doigby pour dire que le son est immonde, hein. Attends, attends. Oui, voilà. C'est... Encore, ça, c'est... t'as pas vu la version Nightcore. La version quoi? La version Nightcore. Hein. La version Nightcore. Non, j'ai pas vu, non. Aussi appelé la version Night Cauchemar, hein. Go mettre ça, Ponce. Attends, attends. Version Nightcore. Tu... Ah ouais, tu veux le mettre en sampling? Ouais, vas-y. C'était chaud, hein. En sampling, je vais juste mettre mon micro sur Discord en stream mic. Vas-y, vas-y. On est chaud d'écouter ça et de découvrir ça ensemble. Non. Non, non. De revenir dans 5-10 minutes, du coup, hein, si vous voulez pas. Si, si, on est chaud de le découvrir, mec. Attends. Non, bouge pas. Faut juste que je me foire pas, sinon on va entendre mon jeu. Voilà. Hop, je me démute. Hop. Ah, alors, j'ai aussi le retour de ton stream. Faut que je... Ah. Vous êtes prêt, les gamers? Ouais, on est prêt, mon pote gamer. Tu peux mettre plus fort, je pense. Seul dans ta chambre, à te construire des barrières. Si la réalité existait pour mettre fin à tes rêves, ne remets pas à demain ce que tu peux faire ce soir. Si tu ne crois pas en toi, je te le dis, personne ne le fera. Faut dépendre de personne, dans la vie faut se faire seul. Du berceau au linceul, fais confiance qu'à ton cœur. Avant d'apprendre à rire, on pleure. Après la vie, on meurt. Lève-toi, prends les armes et bats-toi pour tes valeurs. Tu es capable d'accomplir de grandes choses. Tu es capable.
capable d'accomplir de grandes choses. Tu es capable de réaliser tes rêves. N'écoute pas que les gens. Voilà, je pense que ça suffira. Non, ça suffit pas, vous voulez la suite? Ah, c'est une belle version, mon gars. Hop, la petite surprise. Ah, c'est... Alors là, tu me vois ému, hein. Par contre, pour moi, c'était tellement fort. Ah ouais? Je sais pas si c'était un truc, ouais. Je... Ah, pour nous, moi, j'étais à deux doigts de monter le son. Hein. Ah, vraiment? Ah bah attends, le son est masterclass. Je mets la suite. Bah, la suite. Moi, je voudrais pas forcer les gens, mais le son est masterclass, ouais. Bah écoute, si vous voulez la suite... Si vous voulez la suite alors, écoutez, hein, écoutez... Tu es capable d'accomplir de grandes choses. Tu es capable de réaliser tes rêves. Tu es capable d'accomplir de grandes choses. Tu es capable de réaliser tes capable de grandes choses. Tu es capable de réaliser tes rêves. Tu es capable d'accomplir de grandes choses. Tu es capable de réaliser tes rêves. Je suis un guerrier. Je suis un guerrier. Je suis un guerrier. Bah mec, franchement, je la préfère à l'original. Voilà. Je voulais pas forcément te choquer à ce point-là, mais... Ouais, non, mais t'inquiète, je comprends parfaitement. Vous avez apprécié dans le chat? Non, absolument personne. Tu es kiffante, elle est kiffante, mec. Mouah. Envie de moumou. Mais non. Oui, le nuni à la fin, il est incroyable. Mouah. Mouah. Au secours, désolé hein, pour ça les familles. Attends, ne t'excuse pas, c'est une masterclass qu'on vient d'entendre là. Envie de crever. Mec, ça m'a chauffé pour toute la journée là. C'est Raclure qui a chanté, ouais. Tout à fait. Ouais, j'ai même fait tous les instruments en même temps. Tout à fait. Beaucoup d'une expérience. Tout à fait, tout à fait. Oh, putain mec, je suis même pas allé faire pipi une seule fois de la journée, c'est très rare pour moi. De toute façon, c'est ce qui se passe. Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois que tu m'as laissé ça. Ah oui, oui, exact. Oui, oui, voilà. Exact. Fais bien de, pour le bon du, pour le bienfait du porte-monnaie de mes fleurs. Je pense qu'on va pas l'épicer trop souvent. Par contre, là, le respawn est genre arrive pas en fait. C'est inexistant. Ouais, on fait 1%. Oh, mec. Oui. Susanna. Oh, il faut être niveau combien pour la dépuceler, pardon. Non, la dépecer. Oh, oh, je suis en train de dépecer Susanna. Tu la dépeste, waouh. Je dépasse Susanna. Wow. Non mais c'est juste Susanna quoi. Oh mec, la peau brute de Susanna. J'ai eu un guerrier. Oh, il est là Eker. Ah non mais non. C'est pas lui qu'on doit tuer. Oh non, pas du tout. Ah mais attends, on a rien à foutre là en fait. Ah mec, on s'est trompé d'endroit. Non mais t'inquiète, c'était pour Susanna. Attends, il y a un truc à lire là. Où ça? Paf, c'est bon, j'ai lu. Dans le coin là. Ah ouais. Merci. Let's go. Mais il est où Eker, mec? Vaincre l'officier du bord Micheur. Attends, quoi? Aïe. Regarde ta map. Hein. Bah, c'est rien, moi. Bah, c'est là, hein. Mais c'est un bug ou quoi? Faudra vraiment que je regarde la rediff pour savoir si c'était pas super fort. Hein. Officier de bord de mer Micheur. Ah, mais c'était celui qui était là. J'en sais rien. Si, si, non, mais 100% sûr. Mais t'as pas les quêtes ou quoi? Non, moi c'est au nord, il faut que je récupère des lames en acier par tous les moyens. Ah, mais dis-le moi! Je croyais que t'avais. Cette... Où ça? À la parade du Pocket? C'est vraiment, tu vois, l'épave de bateau. Sur la plus proche de ton objectif, bah au-dessus d'elle. Genre vraiment un bah go, parce que là il va y avoir Susanna puis rôle officier, donc on a le temps. Donc globalement ils sont là, fouille.
Oui, ils sont là fouiller des coffres, et qu'est-ce qu'il faut faire fouiller des coffres? Ah bon, putain, super étonnant. Dans la quête, elle dit acquérir des larmes, des lames, pas non. C'est dur de parler, désolé. Acquérir des des lames par n'importe quel moyen. Non, j'y suis arrivé. Et globalement, des coffres, quoi. Ok. Bon, peut-être en tuant aussi. Mais t'es... C'est pas croyable de bégayer autant que ça. Non, là. t'es bien, là. Je stresse, mais pas du tout, quoi. Non, mais attends, non. Rapport rien. Enfin, je dis. Ça va aller, avec. Ok, t'es lavé ça. Il a bout, pas du tout. Tu es capable de réaliser tes rêves. Doit être super agréable de nous écouter en bossant là. Ouais, de ouf. Ouais. On embrasse évidemment toutes les fleurs de l'ombre qui nous écoutent tranquillement dans leur coin et qui sont en train de se fracasser le crâne contre leur bureau en écoutant ces deux connards faire que beugler. Ça doit être super kiffant. Ultra productif, tu m'étonnes. Ah, lui, je lui mets la zone, il comprend pas. Oh, j'ai jamais mis une AE aussi mal placée de ma vie. T'inquiète, je suis là. Oh, les fleurs de l'ombre qui se réveillent. Allez. Oh, c'est coup de hache. Ah. J'arrive, hein. Ok. Je pense qu'il me sort de ma sieste. Attendez, moi j'ai juste parlé des fleurs de l'ombre, hein. Vous êtes réveillé vous-même, hein. Un fou. Qu'est-ce que j'ai failli faire, hein. Vous allez te couper, hein. Je veux pas tout de suite couper. Tu fais très bien. Qu'est-ce que t'as failli faire? Je vais mettre le lien de la musique dans le chat. Grave erreur. Grave erreur. Ah, tu t'es fait Théo? Non, pas du tout. Ah. Non, je l'ai pas fait, mais c'est ce que je voulais faire. Ah, pour faire, le pseudo, hein. Ah ouais, oui. Je me serais fait stalker un peu. Mais pas de soucis, hein. Elles sont mignonnes, les fleurs. Elles sont toutes belles. Et t'as vu les fleurs de l'ombre, tu connaissais ou pas, hein? Bah oui, je vois ça. Le fleur de l'ombre, mec, ça représente l'énorme majorité des fleurs, dis-toi. Bah j'imagine bien, attends. Elles sont juste dans un silence permanent parce que tout simplement elle est super à l'écoute et occupée, tu vois. Et tu sais que mec, c'est la masse silencieuse, mec, vraiment. T'as fini ta quête? Tu es capable, j'ai pas commencé. T'en as pas trouvé un seul, t'es sérieux? Si, il y en avait un. Ouais. À gauche de la muraille en rentrant. Je l'ai pris celui-là. Taf! Ah, t'as pas commencé quoi. Attends, je suis bugué contre un coffre là. Voilà, c'est. En fait, ça me donne rien les coffres. C'est bien ça, c'est bien ce que je me disais. Oh, le combat était intense là de mon côté. Je check s'il n'y a pas l'officier, il n'y a pas l'officier, je repars, boum. Je vais essayer de speedrun les coffres. Masse silencieuse, on n'est pas si gros. Ah non, vous êtes pas gros, mais par contre vous êtes très nombreux. Très très nombreux. A ton avis, Raclure? Oui. Par rapport au nombre de spectateurs uniques qui passent le temps d'un live et le nombre de personnes qui parlent, à ton avis, le nombre de personnes qui parlent, ça représente quel pourcentage de... Je dirais entre 4 et 6%. Comment t'es chaud, mec? Non, mais je suis streamer surtout aussi. Comment t'es chaud? Ouais, mais en général, plus il y a de gens sur le live, plus la proportion des gens qui parlent pas est grosse. Évidemment. Bien entendu. Je suis juste en train de mourir là, c'est énorme. Mais ouais, c'est ça. C'est ça. On va dire pour prendre très large, entre 3 et 9%. Souvent je dis ça comme fourchette. Ouais. Pas du 15%. Non, pas 15%. Mais après, par contre, si t'as un chat par exemple, si t'as un live avec 3 viewers, il y a moyen que bah du coup ce soit pas ses proportions quoi, effectivement. Oh, il est là! Je lui mets assez de coups pour valider ma quête et j'arrive, hein. Vas-y, moi je fais du tri. Là. Je prends mon temps, on est pépère. Hein.
J'adorerais mettre des messages dans le chat de Raclure, perso. C'est sympa. C'est un peu peur, mais... J'adorerais mettre des messages dans ton chat. Mais mets-moi des messages, en fait. J'aimerais bien mettre des messages dans ton chat. Malheureusement, je n'arrive pas à mettre des messages... Ah ! Attends, je me fais attaquer, là. Pardon. Pardon pour ça. T'as réussi à avancer, toi, sur ta quête, non ? Ouais, t'inquiète, n'hésite surtout pas à désactiver les effets spéciaux. Ok. Je peux c'est très bien. Hein. Moi, je ne juge pas, hein. je suis en acceptation de tous, moi. Merci, mec, pour ta tolérance. Oh, pire. Pervers de métal. Ah, c'est un sub, c'est vrai. Bah ouais. T'as fini. Eh bah ouais. Est-ce que t'as fini ta quête ou pas ? Viens là. Tiens, regarde. Et je loot. Tu peux le looter et tout. Non, je peux pas, c'est 50. Voilà. J'ai une quête à l'ouest, une un peu plus au nord-ouest. T'imagines le mec à l'autre bout du monde ? Attends, bah je te protège là-dessus, y'a aucun souci. Je vais enlever mon méga. Vas-y, protège-moi! Je sais pas ce que ça rend, j'ai pas le retour de ma voix, mais ça doit être atroce, hein! Ah, tu joues sans retour voix? Non, j'aime pas ça. En fait, j'aime pas entendre ma voix, comme t'as pu le remarquer, mais j'aimerais bien avoir un retour lorsque, sur la GoXR, le FX est activé. Ah j'ai oui. Posé ça aux devs, ils m'ont fait, écoute, on a déjà trop de projets, et du coup, ils sont busy, donc pas de chance. Ouais, c'est plutôt une bonne idée, hein, ce que tu dis, mais en vrai, s'entendre, c'est quand même pas mal, je trouve. Ouais. Moi, là, si je m'entends pas, je vais percher ma voix. Genre, je vais parler un peu plus comme ça, tu vois. Parce que je vais avoir l'impression qu'on ne m'entend pas, vu que moi, j'ai un casque. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, par contre, tu vas où, mon pote, là? Je t'abandonne en fait. Ok. Attends, un rêve. Yes. Et t'as fini ta quête? Non, mais elle est à l'ouest. Ah, pardon. Mais je crois qu'elle était là-dedans. Moi aussi, je croyais qu'elle était là-dedans. Je t'ai suivi. Ah! Attends, depuis tout à l'heure, tu fais rien? Ça fait un quart d'heure que t'as rien fait. Oh, ça fait pas un quart d'heure, ça doit faire une heure, je pense. Vive les fleurs de l'ombre, mais surtout les fleurs de Bretagne BZH. De l'ombre de Bretagne. De toute façon, les fleurs en Bretagne sont par définition des fleurs de l'ombre. Tu vas où? Bah, je vais faire ma quête. Bah, je te suis, je te follow. T'as plus rien à faire ici. Ouais, c'est bon. C'est clean. Des fleurs de micelle. Quoi, c'est des fleurs de micelle? Bah, les fleurs bretonnes, c'est des fleurs de micelle. Mais aïe! Oh! Incroyable ça. Ok, on se cassos. Hop, moi j'ai deux quêtes en bas là. Toi aussi? C'est à peu près dans la même direction, mais vraiment pas du tout en fait. J'ai vérifié, c'est vraiment pas du tout là. Faut que je tue les gardiens là. Tiens, je te défends! Ah, faut que tu tues les gardiens là? Tu es un guerrier, oui, t'inquiète. Il fracasse un glaçon, le mec, il comprend pas. Il ne comprend pas! Mais il a déterminé, ça c'est sûr. Je vais détruire ce glaçon! Non, mais. Il a. Il a guerrier de Dogby dans les oreilles, il peut pas. Tu es capable. De détruire ce glaçon. Ancienne fleur de l'ombre, maintenant j'ouvre ma gueule avec des beats. Bien vu. Avec des beats? Et merci évidemment pour tous vos subs et vos resubs pendant cette session. Je ne remercie pas un pour profiter pleinement. Ah mais vas-y hein. De cette personne qui est Raclure de bidet. Non, Raclure. Je suis quand même exceptionnel mais bon. Je peux pas dire ça Raclure. Je sais clairement pas comment tu gardes le retour en permanence. Bah après, faut savoir que vu que je suis branché directement à ma carte son, c'est un retour son qui est direct. Genre y a pas un poil de délai. Donc en fait c'est exactement comme le fait de s'entendre dans la vie. Sauf que vu que j'ai un casque fermé, c'est comme si je m'entendais dans la vie quoi. Ah, moi j'ai un casque couvert aussi. Eh oui, ok. Petit DT990, très très bon casque. Excellent. Comme je suis un fin connaisseur, je sais que tu as le DT1770. Tout à fait. Excellentissime. Très très bon casque. Tu dois pas aller à... prendre...
Quoi? Non, à la base, tu voulais prendre quoi, pardon? Vas-y, je te suis. Non, tu voulais prendre quoi? À la base, je voulais prendre le 1990, parce que bah, c'est comme le 870, mais en version vert. Et je craignais que l'impédance soit trop forte pour la Go XLR. Du coup, bah, je me suis rabattu sur le 990, qui a la même impédance, en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ah, bah bien vu, bro. Du coup. Bien vu. Ah, c'est pas grave, il est quand même très bien, le 990. C'est sûr. Mais en fait, c'est sûrement le délai Windows qui rend le tout infâme. Ah, mais oui, par contre, si vous testez de vous écouter avec, genre, écouter son casque, écouter ce périphérique sur Windows, c'est immonde. Personne ne peut. Enfin, personne n'aime ça, en fait, c'est impossible. Genre, un délai d'une demi-seconde entre ce que tu dis et ce que t'entends dans ton casque de ton retour voix, c'est horrible. C'est bon. Il y a une très grande différence entre un retour logiciel et un retour matériel. Hein. C'est ça, ouais. Très, très grande. Genre moi il y a aucun délai, quand je dis aucun délai c'est là je m'entends comme si quand je m'entends dans la vie en fait, hein, c'est tout. Complètement vrai. Exactement ça, bro. Ok. Et du coup, pour répondre à une personne qui disait mais tu dois pas aller à Popcorn, la réponse est oui. La réponse est oui, je dois aller à Popcorn, tout à fait. Tout à fait, en effet. Ouais. T'en es où ta quête? Moi j'ai fini ce que j'avais à faire là. Eh bien on a juste à remonter. Je te follow. Récupère des coffres. Voilà, faut être honnête, hein, à un moment dans la vie, je récupère des coffres, fait que ça de récupérer des coffres. Mec, récupère tes coffres, fais-toi plaisir. Et ensuite... Hop là, le dindon. Hop là. Hop, juste pour dépecer. Par contre, ouais, autant de dindons quand même, ça me fait un peu de la peine au bout d'un moment. Mais bon. Faut juste en tuer 100 pour avoir le titre, terminateur de dindon. Oh, je l'aurai un jour. Hein. Mm. C'est quoi sa deuxième... Ma deuxième arme, c'est effectivement des gants, qui sont en fait... Regarde, boum. Un peu, je suis maître de la glace. Tu vois, je crée des petits trucs comme ça, je me fais un mur. Un mur de protect ici. Et okay, boum. Ok, l'avatar. Ok, l'avatar. Je maîtrise les éléments. Boum. L'excuse New World du retard va forcément passer à Mordu Meporg. Je suis pas sûr. Ah. Le drame. Je suis pas sûr, étant donné qu'il y a Théo Kleman qui a beaucoup joué pendant la bêta à New World et qui a grave kiffé et qui là il s'y met pas parce qu'il a peur de sombrer dedans. Du coup, si je lui dis je suis en retard à cause de New World, il va me dire va te faire foutre. C'est sûr. Sûr. Il est mort. Il va te fermer la porte au nez. Ouais, il y a pas de négoce possible. Après, je sens une. En vrai, tu veux que je te dise un truc, Réacture? Oui. Je sens que j'ai un peu de fièvre. Ah! Étant donné la situation, vu la situation sanitaire actuelle, je suis en train de me dire que c'est peut-être pas une bonne idée de se rendre directement sur les lieux de son travail, tu vois. Ah, je comprends. Vaut mieux être, pas prendre de risques. Bah c'est un peu ça. Ouais. Parce que ok, j'ai mon passe sanitaire, mais derrière, bon, tu vois, pas prendre de risques. Hein. Yeah, c'est sûr. De toute façon, je veux pas paraître méchant, mais t'es dispensable en quelque sorte. Tout à fait, je suis ce qu'on appelle un meuble. C'est vrai. Ouais. C'est exactement ça, du coup je suis à... je me tâte. Conséquences, tu vois. Combien d'heures? 40 000. Est-ce que c'est 40 000 dans une vie? Ah bon. 40 000. Exactement, ouais. C'est ça, je pense, les chiffres de Popcorn, non? Je suis pas très bien renseigné. Ça dépend des émissions... Je le vois pas en direct, donc je sais pas exactement, mais ça dépend des émissions, parce que en plus maintenant il y a Koh-Lanta, il y a la Ligue des Champions, il y a plein de trucs en même temps, donc je sais pas trop. 1 million sur le chat. Non. Attends, 1 million, c'est quoi 1 million? Attends, mais je suis pas la bonne personne là. Ça m'est arrivé tellement de fois, j'ai pas osé le dire. En fait, il faut que je chasse des lynx, figure-toi. Oh non, c'est la quête que j'ai vue la dernière fois. Ça va, il y en a à tous les 2 mètres des lynx. Oh, un lynx. J'arrive, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait, hein? Il me snob? Mais je l'attaque et il me snob. Pourquoi il vient vers toi? Je sais pas, j'ai rien fait, je l'ai même pas attaqué. Mais... Quel enfer.
Voilà, c'est bon, on peut y aller, on peut rentrer à la ville. Deux niveaux pris en 5 heures, poggers, on est catastrophique. Hein. En termes de... C'est clair qu'en termes de vitesse de leveling, je pense qu'on est tout ce qu'il ne faut pas faire. Hein. C'est... Non mais on profite du jeu. Oh, la société de consommation, là, qui prend même plus le temps. Ouais, je te rejoins complètement, les gens veulent tout de suite, quoi. On est juste en train de play, en fait. On est... Le level maximum, bah c'est bien, mais le leveling, c'est... Ah, j'allais dire mieux, mais non, hein, c'est... C'est quelque chose aussi, hein. Dis-toi, Ponce, en deux soirs de jeu, j'ai fait un level. Ouais, mais niveau combien? Parce que si t'étais genre 58 et passé à 59, ça peut se comprendre. Non, non, mais lui demande, pose pas de questions, ça nous rassure. On... J'ai l'impression d'être moins lent maintenant, tu vois. C'est... Mais j'avoue que dans un MMO, le leveling... Bon, par contre, maintenant que ça fait un petit moment qu'on a commencé, quand même, je trouve quand même que le leveling dans New World est quand même un peu à chier, pour être franc. Bon, c'est quand même... Allez fouiller des coffres, tuez lui, allez fouiller des coffres, tuez lui. C'est quand même pas fou. Mais par contre, ça permet d'appréhender le MMO sur lequel on va passer du temps, et donc du coup à comprendre un petit peu les rouages, etc. Genre on a encore tellement de choses à apprendre sur les crafts, sur tout en fait. Même sur la map, hein, on a fait 3 zones. Je te propose, pour la prochaine fois, on pourrait se focaliser sur les quêtes données par les tableaux. Parce que ça va vraiment bien plus vite, mais c'est toujours aussi chiant par contre, hein, y a aucune surprise, mais... Après, ce qui est marrant, c'est tout ce qu'on fait autour, tu vois. Ouais, c'est ça. T'as certaines quêtes, c'est tout connement rapporter 3 petites potions de mana. Les potions de mana, ça coûte 1 centime à l'HDV. Donc bon. Ah, quête, et du coup, tu... En 30 secondes, quoi. Ah ouais, d'accord, ok. C'est ça, la post-rat. Mais là, ouais, là, c'est dans l'optique de up, quoi. Y a pas de feinte. C'est... Et pourquoi, c'est quoi sur les autres MMO? Ben, ça dépend des MMO, hein, honnêtement. T'as par exemple le leveling sur FF14 est assez fou, c'est un Final Fantasy limite en solo, quoi. Le leveling sur Sotor aussi. Le leveling sur WoW est plutôt à chier, on va pas se mentir, mais c'est pas récupérer des coffres et tuer des gens et c'est tout. Y a quand même pas mal de scénarios et tout, surtout depuis les dernières extensions. Là, c'est particulièrement peu diversifié, quoi, on va dire. Exactement, je te rejoins. Mais c'en est pas moins agréable, hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Tu veux t'arrêter maintenant, du coup? Ouais, il est 17h15, on est dans un MMO, tu connais. Hein. J'ai vécu ça également. Du coup, ouais, si je veux ne pas être en retard, je vais pas trop avoir le choix, effectivement. Effectivement, je vais passer tranquillement à la cabane, déposer mes petits items. Je t'en prie. Là, tu vois, j'ai obtenu et rapporté 50 fibres. Bah, en fait, c'est déjà rendu. Oui, c'est ça. Oui. Mais parce que tu l'avais dans les. J'avais dans le stockage. Ah, mais attends. Exactement, ouais. Mais attends, mais je peux faire ça en boucle aussi, du coup. Non, mais. Genre, si je fais ça. Tu prends des trucs de. Laisse tout dans le stockage. T'as pas besoin de prendre. Attends. Et je veux voir ce que tu. Oui, pardon, c'est le réflexe. C'est le réflexe. Trop de réflexes. Toi, t'as une caisse qui te demande d'apporter du bois de meuble. Du bois meuble, hein, je sais plus parler. Attends. Du bois travaillé. Quoi. Bûcheron recuit ? Non. Ah non, mais. Ah, ok. Bon, bah, c'est une quête que t'as dans une autre région, du coup. Parce qu'il y avait l'icône de quête de tableau. Bois ancien, j'en ai un peu, si tu veux. Non, mais t'inquiète. Non, t'inquiète. Du coup, quand tu le donnes. Genre, obtenir et apporter 200 bois anciens, tu perds tes 200 bois, on est d'accord? Évidemment. Ok. Bien, évidemment. Ah, mais vu que c'est pour la faction, ça aurait pu être en mode, je sais pas. Ça va quelque part, j'en sais rien. C'est pas du tout. Bon bah écoute, Raclure, merci pour cette session. Pas de soucis, c'était un pur bonheur pour être honnête. Un pur plaisir, tout à fait partagé. Là, je suis niveau à peu près à 2 tiers... je suis 25, 2 tiers 26. Donc, ouais, prochaine session, au moins niveau 28 de visée, je pense que c'est faisable en vrai. Je pense qu'on peut honnêtement dire que c'est possible d'atteindre le niveau 60. Après, j'ai pas beaucoup joué au jeu. Sur la prochaine session ? Ouais, bien sûr. Sur la prochaine session. C'est quand le prochain live New World ? Bah, c'est ça le problème. Enfin, le problème. Bah, c'est ça qui est galère, c'est que moi, il faut que je termine Kina. Qui n'est pas terminé. Il faut que je termine aussi Metroid Dread, qui n'est pas terminé. Donc là, c'est compliqué. Après,
Ah, je te dis si dans la semaine j'ai un trou, mais c'est chaud. Hein. C'est très très chaud. Ouais. Non, par contre, franchement, je te jure, Pex sans moi, mec. Hein. C'est... Non. C'est pas marrant. Moi, ça m'amuse pas de Pex tout seul. Ouais, mais t'as peut-être envie de monter un petit peu tes niveaux. Non, non j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. En tout cas, si jamais tu vois, t'as envie de play, t'es en mode t'es chez toi, en mode je jouerais bien à New World et tout, franchement, je joue. Enfin, tu vois. Ok. Ok. Nah. Bon, bah écoute, bah merci beaucoup, je te tiens au courant pour la suite. Quand est-ce que sera la prochaine cesse de me porg, du coup. Pour la semaine prochaine, du coup, j'ai cru comprendre. Ouais. Mais si jamais je joue même en off ou quoi, tu sais, une heure ou deux, je te dirai si jamais. Ouais. Me MP sur Discord. D'ailleurs, j'ose pas trop te MP sur Discord. Si, MP moi, bah, c'est le meilleur moyen de parler, justement. Ouais, je sais pas, je suis un peu timide, on va dire. Un peu introverti. Hein. Ben, n'hésite pas à me MP sur Discord. C'est pas vrai, tu m'as MP en plus. Enfin... Mais oui, mais c'est... Oui. Ça va. Ouais. Ça va. Ah. Et ben, en tout cas, gros bisous, mec. Merci encore une fois. Et puis, la semaine pro c'est sûr et certain, mais je te dis si jamais avant on a le temps ou quoi, ok? Ouais, tu me dis ça. Je te dis ça. Même sur un autre jeu au pire, si tu veux. Oui, ou même sur, même sur un autre jeu ou quoi. Je te dis ça, y a pas de soucis. On se dit solo. Je t'embrasse, Raclure. Gros bisous les fleurs aussi, c'était un pur bonheur de vous revoir. C'était très cool, bonheur partagé, j'ai l'impression. J'étais beaucoup moins stressé cette fois. Bah c'est bah normal, on est entre nous, mec. Je sais pas, ça s'est remarqué. Si, de ouf. Il y a plein de gens qui disaient, oh, il est beaucoup plus à l'aise et tout, si. Ouais, t'inquiète, moi je gère, quoi. Bah, je gère, quoi, c'est son taf, quoi. Attends, ouais. Allez, bisous. Bisous, Raclure. Ciao. Je vais pas prendre comme la dernière fois, mais je me mute juste. Bisous. Bisous. Ciao. Bisous. Ciao. Ciao. Il est adorable, c'est trop cool en vrai. C'est trop cool. Eh ben écoutez, messieurs, dames, on va se laisser ici. Boum, bim, bam. Bisous, Raclure, le boss, trop chou. C'est le boss, hein, en vrai, il est trop cool, ça s'est trop bien passé. Même si on pexe pas très très vite, quoi. On pexe vraiment pas très très vite, lui et moi. On va vraiment à deux à l'heure. Regardez, il danse. Le flow! Stylé! Petit pas de danse plutôt réussi là-dessus. Kukitsu, qu'est-ce qu'il fout derrière avec son bâton de flamme, niveau 13. Messieurs, dames! Là-dessus, je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live sur le Meporg avec Raclure. Je ne sais pas quand est-ce que sera la prochaine session, parce que vous avez vu, beaucoup de choses à faire. Kina demain, Metroid Red jeudi, vendredi. Je suis pas là exceptionnellement parce que j'ai le tournage à... Enfin, le tournage. J'ai l'émission sur la chaîne d'Alexric à 17h30 au Congrès des Pompiers. Donc, je vous tiendrai au courant de quand est-ce que sera la prochaine session New World. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous donne rendez-vous ce soir à 20h sur la chaîne de Domingo pour Popcorn, et sinon à demain ici même pour la suite et peut-être fin, mais je pense pas, de Kina. Bisous, merci beaucoup d'avoir suivi, passez une excellente soirée, ciao, à tout à l'heure sur Popcorn si vous êtes là, salut, ciao.